Salut Perrault! Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Bah écoutez, on se retrouve donc pour la suite de nos aventures. Voilà, donc épisode 4 de notre petite histoire avec notre cher Alexander Dighton. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Alors, quoi de neuf depuis hier? Pas grand-chose. Comme d'hab, hein, je stream toutes mes sessions. Donc... Je n'ai absolument pas joué en fin d'après-midi. Voilà. Concernant l'incident d'hier soir, ben, je vais même pas pouvoir me venger parce que monsieur, comment on sait qu'il s'appelait? Heinrich, je ne sais quoi, n'est plus. Voilà, il a été ban du serveur, pas suite spécialement à la scène d'hier. Mais suite à d'autres trucs, donc c'était la goutte d'eau a priori qui a fait déborder le vase. Donc voilà. Dommage parce que j'aurais bien tabassé en règle en RP. J'avais déjà missionné Page pour ça hier soir. Bon, c'est pas grave. On va faire une scène improvisée. Etc. Voilà, sinon bah, rien de spécial, hein, rien de spécial, ça continue gentiment, ça se met en place. Je profite encore une fois d'une semaine relativement calme pour ma part au niveau du travail pour pouvoir jouer les soirs et streamer. Ce sera pas le cas la semaine prochaine. Cette semaine, vendredi soir, je streamerai pas, je jouerai pas du tout, je suis pas disponible. Et la semaine prochaine, je streamerai pas mercredi soir, je crois. Ouais, oui, bon, écoute. Après, faut laisser sa chance. Et moi, je dis toujours qu'on apprend de ses erreurs. Donc, j'espère que, du coup, ben, il apprendra de ses erreurs. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, et on va taper. On va attaquer. Après, faire du braquage, jouer bandit, c'est pas facile. Voilà. On parlait tout à l'heure de notre Discord. Jouer un méchant full loose. Braqueur rigolo, ça c'est assez facile. Mais jouer un méchant méchant sans être trop comment dire trop méchant dans le jeu, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc bon voilà. Enfin, bon. L'incident est clos. Dans tous les cas, de toute façon, moi je n'en tiens pas rigueur. Comme j'ai dit au staff, il est passé sur le stream après hier soir. Je lui ai dit le fond de ma pensée. Je lui ai dit que je trouvais qu'il avait fait de la merde. Et puis voilà. Hein. Fin de l'histoire. Alors. On va lancer Redem. Mais effectivement, oui, jouer un méchant, c'est pas facile. C'est dur à doser, en fait. Le méchant que tout le monde craint, mais qui te donne du bon jeu, c'est pas facile. J'en connais pas beaucoup, d'ailleurs, des bons méchants. Pour moi, un bon méchant, moi, je vais peut-être me faire... pas me faire d'amis, mais...
Pour moi, Calavera, c'est un bon méchant. C'est un très bon rôliste. Et c'est un bon méchant. Eh putain, j'ai pas lancé. Explique. Zaven, c'est un bon méchant. C'est un très bon rôliste aussi. Teamspeak, hein. Teamspeak, c'est où? Hop. Et là, bon, je vous parle de rôliste. Ancienne génération, quoi. Je me rappelle de Calavera, les premiers serveurs roleplay où j'ai joué, sur lequel il était. Je le craignais, quoi, vraiment. Eh merde. Enfin, à chaque fois, je me fais baiser, quoi. Mais c'était juste. Voilà, on le craignait, mais c'était juste. Et ça, c'est compliqué à trouver le juste milieu. Bon, alors. J'espère que la Bastille est ouverte ce soir. Hein. Pas que j'oublie qu'à 21h, on a un rendez-vous. Où est-ce que je suis là ? Sur moi, souplette. Il faut vraiment que j'aille remplir ma gourde. Ah, pseudonyme. Oui. Hop, bonjour monsieur Tilton. Bonjour monsieur Tanner, comment allez-vous? Très bien, et vous? Écoutez, fort bien, mes agresseurs sont en prison, j'ai été indemnisé, tout va très bien. Eh ben tant mieux, la justice a frappé. Tout à fait. Attention, et hop, le commissariat, j'ai pas rien. Oula. J'ai l'impression que notre ami est un petit peu chargé. Oula, docteur, je crois que vous devriez faire quelque chose pour lui. Oh, moi, j'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose? Ah non, rien du tout. Et tout va bien, vous en faites pas. Il a dit que tout allait bien. Il va se faire écraser par le... Non, c'est bon. Tête dans marche. Je crois qu'il va essayer de conduire. Ah non. Bon, enfin, bref. Ah, monsieur Huntington, je vais vous laisser, on m'attend au cabinet. Oui, très bien, y a pas de souci, mon cher, allez-y, je vous en prie. Allez, passez une bonne soirée. Oui, au revoir. Bon, faut que ça revienne là. Ah, monsieur Huntington, bonsoir. Tenez, monsieur Huntington, faites-moi plaisir, buvez cela à la mémoire de monsieur Napoléon. Oui, pas le... oui. Le chien, hein. Ah! Oh, vous avez perdu votre chien! Oui, c'est fâcheux. Oh, quel malheur. Voilà. Oui. Merci, monsieur Sinclair, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Allez, à la mémoire de Napoléon. Non, lâche ma main. Ouf. C'était un bon chien. Oui, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Bon, ouais. Bonjour, petit Louis. Oui. Prends la main de monsieur Huntington, là, plutôt. D'accord. Oui, moi je n'ai rien contre eux, ce qui me prennent la main, tant qu'ils me fouillent pas dans les poches, ce petit schnappant. Hop, propre, on a dit va, pas hein. Dans les poches, petit Louis. Non. Moi je fais pas les poches. Ouais, attention à toi. Bon, dis donc, mon petit Louis, comment ça se fait que tu ne sois pas à l'orphelinat? J'ai entendu parler qu'il y avait un orphelinat. Non, parce que je veux pas y aller. Et pourquoi tu veux pas y aller? Parce qu'ils vont m'enfermer. Comment ça, ils vont t'enfermer? On m'a dit que l'orphelinat, c'était la prison des enfants.
C'est pas une prison, mon petit Louis, pas du tout. Ils vont te nourrir, te laver. Non, c'est pas vrai. Ils vont me mettre en prison. Eh non, mais tu sais, les enfants, ils peuvent pas traîner dans les rues. Hein. À manger, bah, pourquoi il y en a plein qui traînent dans les rues alors quoi? Parce qu'ils s'enfuient de leur folie. Ben, ça peut être ça. Bah, moi, c'est ce que je ferais aussi à leur bonne place. Journée, monsieur. Une prison pour enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, moi, mais c'est sûrement à l'orphelinat, on mettait les enfants au passage. Donc après, on les torturait. Mais non, mais c'est pas vrai, ça. Alors, le fait qu'on y mette des enfants au passage, là, pour le coup, je suis d'accord que tu pourrais y aller, Louis, hein, parce que tu as fait pas mal de bêtises ces derniers jours. Non, je suis pas vrai. Vous voulez du blanc avec... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Pepper? Je pense que nous devrions lui faire visiter cet orphelinat. Ah non, ça serait une bonne idée. Ah ben voyez, c'est pas compliqué pour qu'il vous lâche la main, il faut simplement lui parler d'orphelinat. Le pauvre, après, il va traîner dans les rues et puis il va encore se retrouver à jeter des excréments sur les gens pour on ne sait quel travail. Oui, c'est sûr. Bon, comment allez-vous, M. Pepper? Mais c'est ce que j'allais dire, comment vous allez? Vous m'écoutez fort bien, je vais vraiment très bien. Mes agresseurs sont en prison, il y en a un qui est passé sur la chaise électrique. Ah bah oui. J'ai récupéré mon dû avec des dommages et intérêts, donc tout va pour le mieux. C'est magnifique, ça. Oui. Et vous? Et moi, eh bien, ça va mieux. Hier, j'étais un peu fatigué, mais là, aujourd'hui, ça va bien. J'ai encore un peu faim, mais ça va. Bon. Je vais aller, il faudrait que je trouve un truc. Je me sens dépendant de la pipe du tabac. Ah. Oui. Mais il faut faire attention avec la dépendance, oui. J'ai envie de fumer une grosse pipe, là. Je comprends. Bah écoutez, pourquoi pas aller acheter également un petit peu de tabac, oui. Écoutez, passez devant, je vous suis, mon cher. Merci beaucoup. Eh bien, allez, en avant. Bon, à bientôt, bon appétit. Monsieur Sinclair, à bientôt. On repasse tout à l'heure. À la mémoire de Napoléon. Oui, bien sûr. À la mémoire de Napoléon. Oui, à la mémoire de Napoléon. Oui. Bon, à bientôt. Tout. Au revoir. Brave bête, parti trop vite. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, ouais. Apparemment, c'est quelqu'un qui l'aurait tué. Ah bon? Oui, un tueur de chiens. Après, le tueur d'enfants, le tueur de chiens. Monsieur Sinclair, décidément, on n'a vraiment pas de soucis. Après l'incendie de son établissement, les excréments sur l'aventure, ce pauvre homme est un petit peu harcelé, j'ai l'impression. Hein. L'incendie d'hier, l'incendie volontaire. Oui. Oui, pauvre homme, hein. Il n'y a pas de chance. Le petit Louis, tout ça, oui. Bon, c'est bien, donc c'est réglé l'affaire de l'autre d'hier. Oui, absolument, c'est réglé. Monsieur Pattinson, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça. A fait un petit séjour en prison, elle est venue s'excuser. Tiens, je n'y suis absolument pour rien. Ah. voilà, donc, très bien. Bon, parfait. J'ai lancé les hommes et les policemen à leur trousse, tout ça, donner des noms, etc., un signalement. Bien compris, et bon, après... C'est une affaire vite pliée. Oui, tout à fait, oui. J'ai croisé Monsieur Page hier soir, je lui ai dit que par contre, s'il croisait ce zoologiste, qui pouvait l'emmener dans une petite ruelle et le tabasser en bonne et due forme. Parfait, vous avez bien fait. Il n'y a que ce qu'il mérite, hein. Oui, tout à fait, oui. Bon, bien. Ce soir, dans quelques... Attendez, quelle heure est-il? Je sais pas, mais c'est bientôt un rendez-vous, là. Oui, j'ai vu, oui, tout à fait. C'est dans... Je sais pas si tout le monde sera là. Hein. Oui, non, pas de souci. À vue de nez, je dirais une vingtaine de minutes. Hein. Oui, j'aimerais bien rassembler un peu tout le monde, mais ce serait peut-être trop tôt. Oui, après, ce que je disais avec Monsieur Page, je pense que ce serait bien que nous convenions... au moins toutes les 48 heures pour le moment, une petite réunion histoire de pouvoir discuter. Exactement. Et
une réunion discrète, vous voyez. Oui, c'est pour bien ça, sûr. Ce soir, je vais être très discret. Je connais un endroit très très discret ici. Hein. Oui, mais bon. Bah vraiment les, très très les très très oreilles très. Murs, hein. Bonsoir, mon cher. Oui, bonsoir, oui, petit. Aussi bien des oreilles que du... des yeux. Ah oui, c'est parfait. Hein. Les yeux ont des oreilles. Hein. Quoi? Non. Les murs ont des yeux. Non, les murs ont des oreilles plutôt, mon cher. Oui, c'est ça, oui. Oui. Mais les yeux aussi. Ah non, les yeux n'ont pas d'oreilles, mon cher. Oui, mais les oiseaux volent bas ce soir. Très bien. Vous avez sûr que vous avez du tabac que vous avez fumé, mon cher? Oui, je crois. On m'a donné un peu d'opium, mais je n'ai pas pris. Ah, d'accord. Et les oiseaux volent bas, mais ils se cachent pour mourir aussi. Hein. Oui, c'est vrai, on le dit, effectivement. Ouais. Ben oui. Il me semble que ce soir, vous êtes épié, hein, très fort. Hein. Oui, tout comme à fait. Comme tous les soirs, d'ailleurs. Comme tous les soirs. Donc, on pourrait faire une première réunion préliminaire avec vous et ceux qui sont là, et puis j'en fais une autre après, comme ça. Ah, oui, d'accord, oui. Je vois. Ok, très bien. Bah, écoutez... Bon, en fait, on s'en fout, hein, c'est pas très important. Non, dans ce cas, prochaine fois, prévenez-moi à l'avance. Oui, mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas important, vraiment. Oui. Ok, très bien. Je pense tout, mais... Mais je vous en prie, achetez déjà ce qu'il vous faut. Oh, je n'ai besoin de rien, moi. Je vais acheter à manger. Ok. Apparemment, c'est moins cher ici. Ouais, les petits plats que vend M. Sinclair sont absolument succulents. Il ne les vend pas très cher. Hein. Ah oui, combien? Je crois que j'avais payé ça 1,50$ et quand vous connaissez mon appétit dog, d'ailleurs malheureusement, oui. Mon petit gilet, les boutons de mon gilet, elles me font, comment dire, c'est pas loin de péter quoi, hein. Il va falloir que je me mette un petit peu à faire de l'exercice. Il y en a déjà un qui a pété, d'ailleurs, il faudra peut-être... Ah non, ça va, il tient. Mais il faudra rapetisser tout ça bientôt et adapter. Ouais, je vous tout à un petit, fait, oui. Petit tailleur différent. Ouais. Mais en tout cas, ce plat, alors je ne me rappelle plus comment il m'a appelé ça. Vous mangez ça, je dirais que... Bon, pour une journée classique comme les miennes, ça suffit. Pour le genre de journée que vous faites, vous, mon cher Pepper, vous en avez mangé deux et vous êtes tranquille. Hein. Ça, c'est bien, c'est parfait. C'est mieux que $5 le plat qui nourrit. Enfin bref, et pour mon problème d'addiction, il faut que je trouve quelque chose là. Sinon, ça me donne soif et faim, c'est pas possible. Ah. Oui. Oui, j'ai le même souci. Il faudrait trouver peut-être des plantes ou des choses. Bonsoir, oh. Anderson. Ah, oh, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est une drôle de coïncidence parce que je vous cherchais. Ah bon? Ah, mais ça tombe bien, est-ce que je suis là? Du coup, j'ai quelque chose pour vous. C'est vrai? Oui. Laissez-moi voir. Je vous en prie. Est-ce que vous savez quelles choses, plantes, etc., je pourrais manger parce que j'ai des petits problèmes d'addiction au tabac. Vous avez vu ça avec les docteurs Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu la chance de les voir. Alors, attendez. Ça, c'est pas vous. Ça, c'est Miss Bright. Oui, moi, je ne suis pas une Miss. Popper, Pepper. C'est bon. Oui, c'est moi. Alors... Voilà, alors c'est une missive de grande importance, je ne dirais pas urgence, mais importance. Oui. Et c'est pour vous, Alors. Excellent. Vous voulez que je sorte peut-être? Ça, vous avez l'air d'avoir des affaires confidentielles, je peux sortir. Non, non, il n'y a pas de problème, mais je ne compte pas la lire ici de toute façon, si c'est important, vous inquiétez pas. Attends. J'imagine qu'elle est scellée, hein. Je ne sais pas de qui ça vient, sûrement la reine d'Angleterre. Ah, ça vient du maire. Du maire. Ah, merci beaucoup, monsieur. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé de lettre, parce que ça peut m'arriver quelquefois. Je vais voir. Hein. Je vous laisse lire. J'ai aussi une autre course très urgente que j'ai oublié de faire ce soir. À plus tard. Bonne soirée, monsieur Anderson. Merci. Voilà, un homme fort sympathique. Ah oui, très sympathique, monsieur Anderson. Venez, venez. J'ai oublié que je venais pour acheter à manger aussi. Ah oui, c'est bien manger, hein. Oh non, il est parti.
Oh, bon bah tant pis. Oh, pardonnez-moi, madame. Elle voulait un petit quelque chose? Non, non, ça suffira, je... vous inquiétez pas, je ne mourrai pas de faim maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Oui, donc, apparemment, c'est une lettre du maire. Oui. Et il voudrait me voir ce soir, 21h. Ça tombe mal, mais ça tombe bien en même temps. Pas comme vous voulez. Vous voulez venir avec? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Plus on reste discret, mieux c'est. Oui, il m'avait demandé explicitement de pouvoir rencontrer certains des membres de l'agence. Je vois, mon cher. Écoutez, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que je vienne, je peux venir. Y a pas de souci. Mais j'espère que Monsieur Marie saura garder sa langue. Oh, mais s'il la garde pas, vous savez très bien ce qui va lui arriver, hein. Oui, tout à fait. Et je pense que vous, comme moi, nous sommes les plus grillés dans cette affaire, hein. Absolument. Donc, oui, peut-être qu'effectivement, vous avez raison. Je vais peut-être vous accompagner, alors. Seul détail est que si nous avons rendez-vous avec les autres, je vais essayer d'envoyer, de poser une missive sur le bureau. Passons par le bureau, posons une missive avant d'aller à la mairie. Faisons comme ça. Et nous dirons que nous retardons un peu. 22 heures peut-être, il y aura plus de monde. Ok. Ok, en direction du bureau. Ça marche. On se retrouve là-bas ? Oui, on se retrouve là-bas. Très bien. Ouais, c'est pour ça qu'il streamait pas, en fait. Ah, de toute façon, les mecs, ils veulent stream stalk. Hein. Ils stream stalkeront. Hein. J'ai l'impression que je braille. Ma femme, elle va craquer, à force. J'arrive pas à tenir la voix sans parler un peu fort, en fait. C'est pas évident. Non, Confucius n'est pas là, effectivement. Je sais pas, je ne lui fais pas confiance à cet homme. Bonsoir, mon cher Willy. $1 de plus que les $1, c'est ce que vous. Tu as vu que j'ai jeté un petit coup d'œil quand même. Directement à la mairie. Faut que je le perde de vue.
Vous êtes prêts à escalader un peu? On va passer par l'arrière de la mairie. Oui, bien sûr, pas de souci. Ça, c'est un peu haut. Petite musique qui vient dans ma tête qui fait ding 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 ding. Mais c'est original. Hein? Bon, une fois sur place, nous sortirons le badge. Hein? Je ne l'ai pas en moi. Suite à ce qui m'est arrivé hier soir, je l'ai laissé dans la... comment dire... dans le coffre. Vous avez entendu, mon cher Pepper? Jim. Mm-hmm. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Non, pas du tout. Et je disais que suite à ce qui s'est passé hier, je l'ai laissé dans le coffre. Ok, pas de problème. Vous avez bien fait. Je ne l'ai pas sur moi. Mais c'est pas grave, hein, suffira. La parole fera office, comme on dit. Oui, tout à fait. Impossible que je lui montre, il n'y a pas de souci. Hein. Ne soyez pas vulgaire, nous venons là pour une rencontre. Hein. Oui, non, non, mais bien sûr. Je parlais du badge, mon cher. Ah oui, le badge, oui, non, c'est pas très important. Hein. Hop. Personne nous a-t-il suivi? On dirait que non. C'est un peu haut ici. Vous voulez que je vous fasse un cours d'échelle? Pas pour monter, mais pour descendre. Attendez. Je vous réceptionne. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Attention, j'arrive. Oui. Oui, vous avez... Oui. Il faudra perdre un peu de poids, hein. Oui, effectivement, vous avez raison. Bon, si c'était Paige, ce serait autre chose, mais bon. Il a les muscles. Oui, tout à fait. Vérifier la missive. Ok. Monsieur Mary. Oh. J'y vais. Allons-y. Miss Morgan, vous ferez ça plus tard. Ici, là. Venez nettoyer la devanture. Oh, le tapis est tout sale. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes... Est-ce qu'on m'a annoncé ou pas, monsieur Marie? Bien le bonsoir. Oui, tout à fait. Bonsoir. Pardon, excusez-moi, monsieur le maire, oui. C'est votre rendez-vous. Monsieur Marie, vous... Communiquera mon nom si besoin. Excusez-moi, monsieur. Pardon, excusez-moi. Pardon. Pas de problème. Morgan. Oui. Je vous suis, monsieur le maire. Est-ce que vous avez un endroit? Du coup, sustentable. Nous sommes très bien ici. Et. Parfait. Bienvenue à vous, monsieur Pepper. Oh, bah tiens, et monsieur Huntington. C'est bien ça. Comment tout à fait. Oui. Bah, je vais bien et toi? C'est bien cela.
Bah ouais, ça va, il faut préparer la quille. Vous voulez pas qu'on se mette un peu plus loin? Oui, allons-y. Oui. Un petit... Ouais, là, c'est... Oh, aimez-vous piano. Le piano, monsieur Pepper? Ah, mais j'adore, j'allais le dire, je suis un grand fan. Excusez-moi. Mais monsieur, est-ce que ces messieurs voudraient boire quelque chose? Un petit thé, est-ce que vous avez un petit thé, une eau chaude? Oui, du thé à la camomille. Oh, c'est parfait, un thé enfin. Et pour vous, monsieur? Oui, pareil, ce sera parfait. Deux thés à la camomille. Merci beaucoup. Grand merci. Bien, donc, je vous présente M. Huntington, un des agents ici en présence dans votre belle ville. Oui, j'ai déjà fait connaissance avec... Tout à fait. Chimiste, c'est ça. Oui, absolument. Oui, tout c'est à bien fait. Cela. Je vous ai convoqué ici pour des affaires très importantes. Eh bien, c'est parfait. Nous aimons ce genre d'affaires. J'aurais besoin de sécurité lors du bal. Un grand bal. Oui, j'ai reçu votre invitation, Monsieur Marie. Ce fameux bal, non? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc, j'aimerais aussi vous parler d'un sujet un petit peu plus subtil. Oh, magnifique, magnifique. La subtilité, c'est très appréciable. Oui. Je n'aimerais pas que cela se sache dans les rues pour éviter de faire paniquer tous nos concitoyens. Je comprends, je comprends. Je suis tout ouïe. Très bien. J'ai entendu dire que nous avions enterré récemment 23 corps qui gisaient dans les rues. Ah bon? Oui. Je pense bien que c'est un meurtrier en série ou quelque chose comme ça. Un peu dérangé, sûrement très dérangé d'ailleurs. Oh, marvelous, c'est bien ça. Enfin, c'est bien, non, c'est atroce, mais... Oui, monsieur Pepper. Ça me fait beaucoup de corps, effectivement. Oui, 23 corps. Y aurait-il moyen que vous vous en occupiez? Évidemment, évidemment, c'est parfait. Nous sommes taillés pour ce métier, monsieur Marie. Très bien. Vous savez que cette affaire m'est grandement importante. Et je récompenserai très grandement aussi. Bien sûr, c'est un cas qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que nous pouvons poser quelques questions concernant ces morts? Très bien, je vous écoute. Eh bien, est-ce que vous avez relevé quelque chose de particulier sur ces corps? Du tout, je ne les ai pas du tout approchés, ni même vus. C'est juste ce que l'on m'a dit. D'accord, bien, d'accord. Le bois. Est-ce que un des médecins a constaté les décès? Est-ce que vous pensez qu'on peut se rapprocher de Monsieur Tanner, par exemple? Oui. J'ai juste entendu dire que la plupart de ces crimes ont été commis avec un couteau. Oui, avec un couteau, d'accord. Oui, bah c'est chaud. Est-ce que vous avez le contact d'une personne qui aurait pu voir ces corps ou procéder à la mise en terre? Pas le moindre du monde. Bien, d'accord, pas de problème, ça arrive souvent. Oui, mais, madame. Excusez-moi de vous importuner, j'ai du thé pour vous, si vous voulez. Ah, bien Oula. Sûr. Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur Pepper. Vous n'avez rien vu. Ah non, plaisir, attention, madame. C'est très 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 chaud. Ah, ça tombe bien, j'adore l'eau chaude. Et voici pour vous. Oh, merci beaucoup. Et pour vous, dis donc. Oui. Ça nous arrive de faire des choses. Ça allait bien. Nous sommes tellement contents de boire du thé. Vous faites du vent. merci, ma chère. Décidément. Qu'est-ce qu'il vous prend, Huntington? Miss Morgan, veuillez-vous. Tenez, je vous remercie. Merci, Miss. Je crois que c'est Miss Morgan qui me fait beaucoup d'effet. Moi, je crois.
Asseyez-vous, monsieur, si vous voulez. Oui, c'est vrai qu'on peut s'asseoir. Vous êtes pressé de vous asseoir. Merde. Oui, monsieur Huntington, auriez-vous besoin de ma main? Ça va aller, ça va aller. Très bien. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Oh, mais c'est pas vrai, putain, pourquoi je repasse pas en... Pour moi, c'est parfait, merci beaucoup. Très bien. Miss Morgan. Oui, monsieur le maire. Peut-être encore un thé pour monsieur Huntington. Très bien. Ça va aller, ça va aller, merci. Ça va aller. Ce n'est rien, ce n'est rien. On est lassé qui, des fois, me joue des tours. C'est étrange, ça vous était pas arrivé depuis longtemps. Hein. Oui, tout à fait. Je vous en prie, monsieur Marie, asseyez-vous. Hein. Bon, si nous restons debout, nous restons debout. Hein. C'est comme vous voulez, monsieur Marie, c'est vous le maire, après tout. Hein. Très bien, restons debout. Eh bien, restons debout. La récompense, c'est qu'un petit détail, mais c'est $200. Oui, voilà, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de retrouver ce meurtrier. Parfait, donc pas d'informations supplémentaires concernant la mise en terre, les cadavres, etc. Ah, il y a un monsieur ici, d'ailleurs. Je n'ai malheureusement... Oui, c'est Henri. Mon garde. Ah, d'accord, d'accord. Merci, Niord, pour ton follow. La plus totale de vos employés à notre propos. Ne vous en faites pas. Vous êtes dans un lieu très sûr ici. Oui, parfait, je m'en doute. On a eu un imprévu, en fait, mais donc, je crois qu'il y a eu un message sur le bureau. Nous avons ces états de fait. Tout ceci s'est passé en quel laps de temps? Vous avez une idée? Ah, c'est allé très vite. Ah oui? Je dirais qu'en deux nuits, il y a eu tous ces meurtres. Vous vous rendez compte? Deux nuits? Ah oui, c'est quelqu'un d'efficace, hein? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce monsieur ou cette dame est très prolifique, oui. Ou cette équipe, ce n'est pas l'œuvre d'une personne isolée, c'est sûr, pour faire autant de... Oui, si on compte bien à ce rythme-là, il faudrait peut-être deux personnes toutes les 10 minutes. Hein. Oui, c'est bien pour ça que je vous convoque maintenant. Oui, parfait, parfait, je comprends. L'urgence. Tenez votre théon. Merci beaucoup. Vous avez énormément de serviteurs ici. Hein. Oui. Ça va. Il m'en manquerait un petit peu plus, mais ils font leur travail. Ah oui, oui, mais je vois, je vois. Donc oui, 23 victimes tout de même, et je pense qu'un meurtrier comme cela ne s'en arrêterait pas à 23, bien entendu. Oui, c'est sûr, à moins qu'il affectionne le nombre 23, dont je doute. Hein. D'accord. Oui, vous avez bien raison, monsieur Pepper. Oui. C'est bien, continue, il faut jouer le... Un secteur d'activité, vous savez où est-ce qu'il opère, si c'est dans tout Saint-Denis? Du tout. D'accord. Plutôt des hommes ou des femmes? Ah, je pense que pour mettre à terre 23 personnes, ça devrait être un homme. Non, mais je veux dire, concernant ces victimes, ce sont plutôt des femmes ou plutôt des hommes? Ah, je n'ai pas eu cette information, malheureusement. Ah bien... D'accord, d'accord. Et aucune idée de qui, à qui nous pouvons demander pour ce genre d'informations. Nous n'allons pas les déterrer, bien sûr, mais peut-être un croque-mort, un docteur, quelqu'un qui aurait fait... Peut-être certains citoyens de Saint-Denis, je ne sais pas. Ces crimes ont été commis en pleine rue. Ah bon, ah bon. Aucune idée des témoins, donc. Aucune, tristement. D'accord, d'accord. Ils ont sûrement été éliminés aussi. C'est belle quête, là, qui nous mettent un... Bien fâcheux. Ok, donc pas d'informations supplémentaires, juste le nombre de victimes et la durée. Hein. Mm-hmm. Et... Je pense que c'est une personne très dérangée. Oui, oui, oui. Oui, pour faire un tel nombre de victimes, effectivement, je vous confirme, mon cher. Bon, nous avions eu dans l'histoire certains tueurs en série qui étaient très intellectuels. Mais j'ai... Ils m'ont dit que ces victimes ont été tuées de façon très barbare et sale. Ah bon, est-ce que vous avez des détails sur ceci? J'ai juste entendu dire que ces victimes
sont en mauvais état et n'ont pas été tués méticuleusement, excusez-moi. Oui, je comprends. C'est le cigare, un bout de cigare. Oui, oui, pas de souci. Oui. Oui, mais donc... je oui, pense à une chose, mon cher Jim. Oui. Est-ce que vous pensez que ce serait pas possible... Monsieur Marie, vous pensez que vous pourriez nous remettre éventuellement un document pour que nous puissions au moins inhumer au moins une ou deux dépouilles, pour que nous puissions faire quelques constatations? Eh bien, je pourrais vous remettre ça, mais je pense que tous les corps sont tellement mal en point qu'ils n'en sont plus très... ils ne sont plus très présents. Oui, grand merci, monsieur. Dans les bas quartiers, les asticots, les rats... Ah oui, ils étaient à ce point-là. Il n'y a plus grand-chose, je pense. En général, l'état de décomposition d'un cadavre après les 48 heures, en tout cas si c'est le cas, ou 24 heures, est encore relativement correct pour pouvoir l'examiner. Si on dépasse la semaine, alors là, c'est autre chose. Mais bien, pas de problème. Nous ferons avec ce que nous avons, de toute façon. Bon, gardez ça entre nous, mais je crois que la morgue avait tellement de corps qu'elle a tout jeté au port, au rat. Ah, les oui. Bas quartiers. Ah oui, oui, c'est moins pratique, oui. Une fosse commune, donc, du coup, si je comprends bien. Oui, en quelque sorte. C'est fâcheux. Mm-hmm. D'accord, donc un tueur, pas d'informations, beaucoup de morts. Oui, parfait. Oui, et c'est bien pour ça que je vous en parle à vous. Je n'ai pas grand-chose. Sinon, ça aurait été les policiers, bien entendu. Oui, tout à fait, tout à fait. Des questions supplémentaires, Huntington? Écoutez, mon cher Jim, non, je aucune question, enfin rien qui me revienne à l'instant T, en tout cas. Oui, oui. Bon, nous allons lancer nos équipes sur le cas, ne vous inquiétez pas. C'est cool, c'est une bonne quête, ça. Une dernière chose. Vous comprendrez que je devrais en parler à la police aussi, après vous. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. C'est mieux qu'ils soient au courant. Monsieur Huntington, je n'oublie pas votre demande de la dernière fois. Ainsi que la vôtre, monsieur Pepper. Il n'y a pas de souci, monsieur Marie, vous inquiétez pas. Vous aurez compris que, effectivement, j'ai plus besoin de ce... logement ou ce laboratoire pour ma couverture que pour faire des recherches, comprenez, avec la mission que vous nous confiez aujourd'hui, nous avoir du pain sur la planche. Hein. Je ne vais pas avoir le temps de me pavaner à quelconque expérience. Je comprends bien. Est-ce que j'ai peut-être une petite question? Est-ce que vous avez observé un changement depuis que j'ai envoyé ce commissaire formateur de police? Oui, clairement, il y a eu un grand changement. Ce fameux commissaire suivi de l'inspecteur ou de la recrue Baxter était assez efficace et nous avons vu des policiers arrêter quelqu'un, un certain Pattinson en rue, qui aurait fait des méfaits. Très bien. Et d'où vient ce... Pattinson. Eh bien, c'est un charpentier qui est spécialisé dans la confection de cercueils. Et apparemment, il trafiquerait avec les bas-quartiers. Nous ne savons pas exactement sa provenance, mais oui, il a l'air d'avoir beaucoup d'informations. Est-ce que ce sont ceux qui jettent des excréments et qui lancent de la dynamite dans nos rues? Vous le savez. Non, je ne sais pas s'il est de mèche avec Jean-Pierre et Willy, si c'est la famille Guibert dont vous parlez. C'est eux qui... C'est eux qui traficotent avec la dynamite, apparemment, et ce qui jetait extrêmement, c'était le petit Louis. Et aussi peut-être les Guibert. Très bien. J'espère qu'ils ont été attrapés aussi. Mais je sais que petit Willy, effectivement, a fait un séjour en prison. Concernant ce... Non, c'était Jean-Pierre. Ah oui, exact, oui, excusez-moi. Oui. Oui, tout à fait, je les confonds tous les deux. Oui. Concernant l'efficacité de ce
cet enquêteur retraité, effectivement, je dois vous avouer que j'ai trouvé très efficace. Très bien. Eh bien, j'espère qu'ils resteront longtemps sous les barreaux et que ça continuera comme ça. La ville s'améliore, du coup. Oui, oui, oui. C'est une bonne amélioration. Ne vous inquiétez pas pour ça. Très bien. Le plus important, c'est de trouver ce tueur en série et qu'il arrête ses méfaits, mais... Tout à fait. Continuons à en recruter pour la police et des bonnes personnes. Et puis, quitte à licencier quelques-uns, hein, s'il faut... Pour faire c'est parfait. Exemple. Eh bien, très bien, Monsieur Pepper, Monsieur Huntington. Je ne veux pas prendre de votre temps alors qu'un meurtrier court les rues. Tout à fait. Nous allons nous atteler à cette tâche. Merci, Monsieur. Tout à fait. Nous mettre au travail tout de suite, mon cher. Oui. Vous ne serez pas déçu. Eh bien, je vous remercie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. C'est bien. C'est très bien. Fait. Grand merci. Bonsoir, Monsieur Marie. Belle quête. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Très étrange, hein, toute cette histoire. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit quand il m'a parlé de ce Pattinson. J'adore quand vous avez des idées, Huntington. Oui. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se renseigner, savoir un petit peu si ce monsieur ne serait pas plus fortuné que ce qu'il a l'air de dire. Pattinson. Oui. Qu'est-ce que vous savez sur lui? A priori, de ce qu'il m'a dit lorsqu'ils m'ont agressé hier soir, c'est qu'il n'avait pas un sou, mais est-ce que ce monsieur n'aurait pas des intérêts à zigouiller toutes ces personnes pour essayer des... Venez. Pour essayer... Oh, bien. Monsieur qui pêche en bas, là. Oui. Oui, pour essayer de vendre des cercueils. Oui, c'est possible, mais pour le coup, c'est raté, vu qu'ils ont tous été mis en fosse commune. Renseignons-nous sur lui. De ce qu'il apparaîtrait, il trafiquait un peu avec les guibères, il essayait de vendre la dynamite. Je l'ai croisé, je l'ai sondé un peu. Et il s'avère que c'est une personne qui se fait passer pour un menuisier, mais qui est spécialisée dans tout ce qui est... cercueil. Il fait de la dynamite aussi. Bon, en tout cas, il peut peut-être nous donner des informations. Parce que qui fait office de croque-mort ici? Je ne sais pas. Où, la morgue, où est-ce qu'elle est? On ne sait pas non plus. Non, on ne sait pas non plus. Il faudrait aller voir du côté du cimetière, voir si on ne trouve pas quelque chose. Oui, tout à fait. Oui. Commencez par là, effectivement. Oui. Je vais enlever mon badge. Oui, enlevez-le, mon chien. Mais si c'était vraiment Pattinson, comment est-ce qu'il aurait fait en 2 jours pour tuer 23 personnes alors que nous l'avons vu les 2 jours précédents? Moi, je ne sais pas. Après, je suis bien placé pour savoir que, comment dire, un crime est vite arrivé. Hein. Vous savez, moi, en l'espace de 5 minutes, j'étais... acculé au fond d'une petite ruelle avec un couteau sous la gorge. Hein. Oui, c'est bien sûr. J'espère que ce n'est pas le fameux tueur d'enfants qui était le meurtrier. Sinon, le case est déjà résolu sans le savoir. Tout à fait. Eh bien, nous parlerons de tout ceci à nos hommes un peu plus tard. J'ai pris le métro aujourd'hui. C'était splendide. Ah oui. Ah oui. Oui, toute cette modernité, c'est quand même confortable, je suis d'accord. Oui, c'est vraiment pas mal, hein. Manque plus qu'une petite carriole. Oui, tout à fait. Mais bon, mon petit doigt me dit que Moonstar va m'aider. Ah. C'est une bonne nouvelle. Oui. Je crois savoir qu'il s'est pris de passion pour la chasse. Oui, il aime bien tuer des choses. Hein. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, en fait. C'est ça, l'histoire. C'est que nous n'avons aucune trace de rien du tout. Mais effectivement, nous n'avons pas grand-chose. Peut-être que nous pourrions peut-être commencer par déjà nous rendre au cimetière. Rendre au cimetière, poser des questions sur les gens qui savent. Si on retrouvait ce Pattinson, ce serait pas mal, oui. Oui, tout à fait.
Mais venez, allons au cimetière. Oui, allons-y. En tout cas, c'est une belle preuve de confiance que... de la part de monsieur le maire. Oui, c'est bien vrai. Où est le cimetière? Attendez. C'est plus haut. Suivez-moi, je sais où c'est. Parfait, je vous suis. Oui, je pense qu'on peut lui faire confiance. Après, ses employés, c'est autre chose. Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a beaucoup d'oreilles qui traînent. Oui, beaucoup trop. Quand il m'a dit qu'il voulait voir tous mes effectifs, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Oui, de toute façon, effectivement, il faut mieux pas battre tout notre jeu tout de suite. Exactement, Alexander, exactement. Gardons les cartes dans la manche. Hein. Oui, tout à fait. En parlant de ça, je vais enlever mon manteau, il fait chaud. Oui, c'est vrai, je vais faire de même. Mais il fait toujours chaud. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, il vaut mieux toujours avoir un coup d'avance. En tout cas, moi, pour ma part, je préfère. Attention à vous. Merci. Toujours aussi chaud. Je n'ai pas essayé de remonter les manches de ma chemise, voir. Je sais tout, j'enlève tout, là. D'accord. Attendez mon cher, faut que je regarde sur ma carte, je ne sais pas si je n'ai pas fait fausse route, parce qu'il y a quelques tombes ici, mais ce n'est pas le cimetière principal. Ah ben non, c'est ici qu'on a enterré Napoléon, le chien de Saint-Clair. Ah. Le cimetière, il est près de la chaise électrique. On est pas loin, il me semble. Attendez, faites voir. Alors attendez. Tac. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je vois où c'est. Excusez-moi, je me suis un petit peu. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de remplir la gourde. Si, je vais le faire, tiens d'ailleurs, je vois que c'est possible ici. Prévu. Chercher un... Parfait, je vous en prie, allez-y. C'est bien. Bonjour l'ami, ça va? Et vous, passez une bonne journée. Oui, ça va, ça a été la récolte aujourd'hui. La récolte? Trempez au champ? La mendicité, oui. Ah ben non, je commence juste. Vous voulez être le premier? D'accord. Il faut bien inaugurer, hein. Oui, mais moi je gagne rien du tout. Hein. Après, qu'est-ce que je peux vous donner? Quelque chose qu'on m'a donné. Est-ce que ça vous dit une petite plume d'oiseau qui peut être utile? Non. Non, par contre, vous pouvez peut-être me donner une information. Ah, peut-être. Alors, vous aussi, on se fait un échange d'informations, ça va? Ouais, faisons ça. Dites-moi. Faisons ça. Vous dites que vous gagnez rien. Mais du coup, vous connaissez peut-être des gens qui gagnent de l'argent. À qui je pourrais demander, vous voyez? Ah, ça oui, m'éviterait clairement. De demander à tout le monde. Gain de temps, productivité. Oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Bah, monsieur Tanner, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. D'ailleurs, vous, monsieur, je crois que vous avez jamais payé, je crois. Non, bah écoutez, alors mon cher. La mendicité. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait, c'est vrai.
Il s'est fait menacer hier, on lui a volé 11 dollars. On m'a dépouillé une partie de ma fortune, je n'ai plus rien. Ah mais moi, je vous voyais, je demande gentiment. Bon alors, moi je vais vous dire qui a de l'argent. Par contre, Tanner, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que vous racontez, Huntington? Oh si. Tanner, il doit bien pas d'argent. Si, monsieur Tanner, vu le prix qu'il peut prendre. Plus que nous. Oui, tout à fait. Oui, puis bon, vu les produits qu'il se permet d'acheter à son fournisseur, comme il dit. Oui. Enfin, bref. Oui. On recherche un certain Pattinson. Est-ce que vous sauriez où on peut trouver Pattinson? Pattinson... Oui, le blond avec ses lunettes, là, et sa chemise bleue. Ouais, le mari à Guibert. Oui, c'est ça, qui traîne souvent avec les Guibert. Non, j'ai pas vu l'alcoolo encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Dites-moi, mon cher, vous mesurez quelle taille de chaussures? Bon, là, je sais pas, elles sont un peu grandes, celles de du 38. Ou un peu petites, je sais pas trop. Donnez, je partage la moitié de ma facture. Comment dire, de ma richesse. Oui, bah c'est bien la mendicité. Vous voyez, vous irez au paradis. Bon, la mendicité, c'est bien, oui. Hein. Ça donne envie de le faire aussi. Bah oui, bah vous voulez essayer. je peux vous apprendre un petit peu, hein, si vous voulez. C'est vrai, comment vous faites? Bah alors déjà, faudrait passer par, comment on appelle ça? Un rhabillage, vous voyez. Ah, tailleur, ça tombe bien, je suis tailleur. Oui, justement, il faudrait des vêtements qui viennent pas du tailleur. Il faudrait des tailleurs. Là, vous, comment on appelle ça? J'ai l'air d'avoir de la haute. Ah bah, vous rayonnez la richesse, vous voyez. Ah merde, ok. Bah oui, vous avez déjà au moins, ça vaut combien ça? 30, 40, 50 dollars à la ceinture, au moins. Je sais pas, c'est une ceinture que je tiens de mon oncle. Non, pas la ceinture, ce qui est accroché. Je vous dis, parle de votre arme à feu, mon cher. Ah, l'arme à feu, ah oui, bah ça vaut bien 50 dollars. Ça, vous voyez, ça vaut de l'argent, si vous pouvez vous permettre ce genre de jouer, on va dire. C'est que vous représentez comme qu'il est comme pété de l'argent, ou en tout cas de l'argent protégé. Ah oui, c'est vrai, ça, vous êtes déducteur. Hein. Ah oui, bien sûr. Et puis les lunettes, pareil, vous voyez. Oui, mais je vois rien si je les enlève. Oui, mais bon, pour mendier, vous n'avez pas besoin de voir, justement. Vous voyez, c'est un bon moyen de mendier. Ah oui, dire que vous avez besoin, vous avez besoin de soins, vous avez besoin de vous acheter des carreaux de verre. Prendre son micro, vous voyez, faut pas utiliser le terme lunettes, trop connaisseur. Ah d'accord, ça c'est bien. Je suis aveugle, aidez-moi, j'ai besoin qu'on m'aide pour les carreaux de verre. Voilà, c'est ça, une petite pièce, voilà. Une petite pièce, s'il vous plaît, c'est pour boire du thé. Non, c'est pas. Ah non, trop. Trop péteux. C'est pour manger. Ah, c'est pour manger. Oui, parce que pour boire, on va vous dire d'aller boire l'eau des flaques. Ah oui, d'accord. C'est compliqué déjà de toi. Bonjour, messieurs, dames, enchanté. Est-ce qu'auriez-vous une petite pièce pour aller manger à la Bastille? C'est bien ça? Ouais, peut-être pas la Bastille. Hein. Peut-être manger tout quoi. Vous savez, il faut faire, concis. Voyez. Concis, être minimaliste. Oui. Après, la Bastille, vous pouvez essayer d'aller taxer un peu au patron de quoi vous payer un bain. S'il est de bonne humeur, ça peut marcher. Ça, c'est déjà fait. Je le taxe tous les jours, le pauvre. Ah oui. Oui. En fait, je suis mendiant aussi, hein, d'une certaine façon. Oui, sûrement, bien sûr. Je crois qu'effectivement, nous le sommes tous un petit peu... Oui, pour le moment, oui. T'es qu'un. Mais pourquoi sans l'être. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de revenus, vous avez quoi? Vous avez fait faillite? Votre entreprise a coulé? Non, l'entreprise à Chicago, elle fonctionne. Mais disons que j'ai pris une partie des économies, j'ai laissé les employés travailler et je suis ici en voyage. Et j'ai un peu tout dépensé déjà. Oui, pour ma part, lorsque j'ai quitté New York, mes parents étaient censés tous les 3 jours me faire un virement bancaire. Et malheureusement, a priori, j'ai l'impression que maman n'a pas accepté mon départ et elle a fermé le robinet. Ils ont fini dans un caniveau. Non, moi, mes parents, ça fait longtemps qu'ils sont dans un caniveau. Hein. Non, les siens, ils sont protégés avec des gardes et des choses comme ça. Tout à fait, je suis quand même monsieur Alexander Huntington, la famille Huntington à New York est... Un riche héritier. Ah oui, tout à fait. Oui, mais bon, là vous êtes à Saint-Denis, vous êtes, comment dire... Vous êtes plus fauché que le mendiant qui vous mendie. Hein. Oui, je suis sûr qu'il a plus d'argent que moi, ça c'est sûr. Oh, si vous savez, là je crois que j'ai combien là? 3 dollars et quelques petites centimes à côté qui traînent. Oui. C'est toute votre fortune, 3 dollars? Oui, malheureusement.
Ok, ok. Avec de la pommade pour les cheveux aussi, voilà. Bon, ben, on peut essayer de vous trouver un peu. Ah, qui est riche? Monsieur le patron de l'entreprise de maïs, vous voyez qui c'est? Oui, Jim. Monsieur Hopper. Il s'appelle, Jim, il oui. s'appelle Hopper. Ah bon? Oui, monsieur Hopper. Oui, Jim, lui, son prénom. Lui, je pense que c'est celui qui a le plus d'argent ici. Oui, peut-être. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous m'aviez demandé des gens qui avaient de la fortune. Oui, mais pourquoi il aurait beaucoup de fortune, ce monsieur Jeblin? Parce qu'il y a plein d'employés, son entreprise tourne bien, il en recrute souvent. Oui, bon après ses employés, je pense qu'ils passent plus de temps à essayer de, comment dire, faire des activités, vous voyez, hors des champs. Oui, ah oui, vous pensez. Oui, oh, bon. Les employés qui se perdent régulièrement dans les bas-fonds, vous savez, hein. Souvent c'est qu'ils sont pas là pour rien. Oui, oui, ben alors pourquoi il travaille à l'entreprise de maïs s'il se perd dans les bas-fonds? Ben c'est lui, non? Oui, je crois bien, oui. Peut-être, peut-être. Ok, ok. Et, ah ben pourquoi? Ben oui. Le dernier, pourquoi il s'était perdu? Il s'était perdu parce qu'il venait uriner, voilà. Enfin, pisser, comme il a dit. Ah bon? Oui, 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 vous savez, quand c'est bien connu, hein, les bas-fonds, on peut aller pisser comme, voilà. Ah bon, bon? Je vous fais pas dire que... Malheureusement, j'étais là, quoi. Oh, oui, vous bonjour, avez pissé dessus. Mais... Bonjour, madame. Non, non, je l'ai attrapé à temps, avant qu'il commette son odieux crime. Oui, ça sent déjà assez l'urine, là-bas. Hein. Oui, je pense qu'il reviendra plus. Bah oui, vous m'étonnez, avec tous les gens qui se permettent de venir comme ça, là, en pensant que c'est un dépotoir. Bah oui, ils échouent, ils ont bu un peu trop de l'alcool, puis ensuite ils viennent vider leur vessie n'importe où. Oui, bah ils ont qu'à aller pisser à la Bastille, j'en sais rien. Oh, Miss, enchanté. Beaucoup de belles personnes qui vont à l'église. Hein. Oui, tout à fait, oui. Charmant, il faudrait peut-être penser à se marier, Huntington, non? Ah bah... Oui, imaginez, enfin, quand j'aurai un petit peu d'argent pour la dot... Vous avez déjà visité l'église? Comment, non, mon cher? On n'a pas encore eu cette chance. On n'a pas visité l'église. Hein, mais moi non plus, non. Ouais, bah, je crois que l'église est ouverte à tout homme, comme on dit, à toute heure. Hein. C'est un lieu d'accueil. Oui, ben oui, oui, pareil. Mais c'est fermé, là, non? Non, non, c'est... Vous pouvez rentrer, ouais. faut pousser les portes. Pousser la porte? Oui, oui. Allons nous confesser, madame. Puis... Ah oui. Ah ben, en effet. Ah oui, ben oui, ça fait, il suffit de pousser les portes. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas des petites pièces là dans le truc de Tennessee. Mon cher, mon... Et prenez pas ça, c'est pour les pauvres. Eh ben là, je suis quoi, moi? Ah oui, c'est vrai, vous êtes pauvre. Bonjour, Jim, je pense par que contre, vous pourriez poser votre chapeau quand même. Nous sommes dans une oui, église, je vous rappelle. Oui, 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 pardon. C'est vrai. Mais c'est vraiment bien, il faut un... Où est-ce qu'il est le curé? Je l'ai jamais vu officier, je sais pas, peut-être qu'il officie que certains jours, je sais pas. Bon, après, c'est pas indispensable, hein. Enfin, si, mais bon, bref, on a d'autres choses à faire, hein, que de traîner dans une église. Enfin, voilà. En tout cas, elle est très jolie, effectivement. Oui, elle est très jolie, hein, c'est pas mal. Hein. Oui. Puis après, si vous êtes un peu plus adepte de, comment dire, de morbidité, même, vous pouvez aller visiter la crypte, quoi. La crypte? Ah oui, ça m'intéresse, c'est où? Bah, il faut passer par l'extérieur. Excellent. Pour ça, je vous laisserai y aller tout seul. Hein. Vous voyez la petite porte là-bas, la petite maison, la petite maisonnette là. Et bah, c'est pareil, vous rentrez par là. Mais bah, il faut prendre de la lumière, on n'y voit rien du tout. Ok, d'accord. C'est comment vous encore, l'ami? Je vous croise à chaque fois, mais je vous dis l'ami, mais je sais même pas comment vous appelez. Comment je m'appelle? Gaspard. Gaspard, ok, Gaspard. Mais... Bon, bah, dès que j'ai un petit truc pour vous, je vous donnerai quelque chose. Ah, vous inquiétez pas, je suis aussi friand d'informations, hein. Ah oui? Qu'est-ce que vous cherchez comme information? Oui. J'adore savoir les ragots, tout ce qui se balade, surtout les endroits où je peux pas avoir le droit d'accès, vous voyez? Les activités qu'il y a à la Bastille, tout ça, j'ai entendu qu'il y avait, je sais pas quoi, organisé une dame qui venait chanter, mais...
Oui, ah oui, mais vous avez vu les affiches. Bah ouais, on en a parlé un petit peu, oui. C'est vendredi, là. Il y a un petit quelque chose qui se fait, oui. Oui, tout à fait, oui. Je suis pas oui. sûr qu'on me laisse rentrer. Hein. Peut-être pas, mais vous pourrez entendre Dame Guibert chanter de dehors. Elle a l'air d'avoir du coffre. Hein. Ah oui. Sinon, ah oui. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui bistrote à la Bastille et qui aille déverrouiller la porte à l'étage. Comme ça, je rentre par le balcon. Bah, vous allez vous faire mettre dehors si quelqu'un vous attrape. Il y aura sûrement la sécurité. Faites pas ça. Mais, non, plutôt, mettez des habits. Et puis essayez de venir habiller. Oui, mais j'ai pas d'argent pour m'acheter des habits. J'ai déjà à peine de quoi m'acheter à manger. Je pourrais essayer vous de voir si j'ai pas un costume pour vous. Vous avez vu le prix de la nourriture. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très cher, surtout au Dragon Jade. Ah oh bah oui. Mais 5 c'est... dollars le plat. 5 dollars, mais ça a encore augmenté. Oui, ça a augmenté, oui. Dans la Bastille, c'est le moins cher, mais bon, si vous pouvez pas y aller, c'est difficile. Bah écoutez, si je trouve un costume pour vous d'ici vendredi, je vais essayer de vous prêter. Mais vous me le rendez, hein. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Dites-moi, okay, mon cher Gaspard, moi j'ai une question à vous poser. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si quelqu'un arrivait à déverrouiller la porte du premier étage? Qu'est-ce que je serais prêt à faire? Eh ben, rentrer pour aller écouter la musique. Non, mais ce que je veux dire, mon cher Gaspard, c'est que moi, je veux bien potentiellement, éventuellement, vous rendre service, mais c'est donnant-donnant, vous savez. Ah bah oui. Du oui, coup, pour avoir le plaisir d'assister à la chanson et à cette magnifique réception. Hein. Vous pensez... Qu'est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Bah, après, ça dépend des services que vous cherchez. Vous cherchez quoi, de l'alcool? Vous avez ce genre d'informations ou... Ouais, ça dépend. D'accord. Ça dépend sur des renseignements, hein, sur des zones auxquelles on ne peut pas accéder. Oh, bah ça... Ça, je peux vous dire, en tout cas. Vous voyez, bah, on a parlé juste un petit peu avant, quand vous descendez la rue, là, qui longe en face de nous. Oui. Vous allez arriver vers les bas quartiers, les taudis, comme les gens aiment bien les appeler. Vaut mieux éviter de s'y aventurer. C'est pas très, comment dire... On va dire quelqu'un habillé comme vous, ça devient, comment on peut appeler ça? Ça devient gibier au milieu d'un terrain de chasse. Voilà. Oui. Surtout près du petit bar qui a l'air d'être un bar clandestin. À l'étage, certaines personnes y parlent très fort. Hein. Ouais, ça c'est possible, c'est possible. C'est sûr même. Après, le petit bar, je pense que vous pouvez y accéder, à mon avis. Il n'y aura pas de. Il y aura oui, pas de soucis. Okay. Oui, le petit bar lui-même, vous savez. Bon, écoutez, mon cher Gaspard, je vous propose une chose. Je vous écoute. Je vais essayer de réaliser votre souhait, d'accord? D'accord. Et je vais réfléchir éventuellement à une information ou quelque chose que vous pourriez me donner, d'accord, en échange. Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon, très bien. Mais j'adore les informations, c'est vraiment moi. J'ai bien compris, oui, oui. Mais je vais accéder à votre quête, mon cher. Vous pouvez compter sur moi. C'est pas pour rien que je suis le messager de sa majesté. Ah oui, vendredi soir. Pas choisi n'importe qui. Le messager de sa majesté, c'est-à-dire vous travaillez pour la couronne d'Angleterre? Ah non, je travaille pour... Ah, sa majesté. Pour sa majesté, sa majesté le roi. Sa Majesté le Roi... j'ai vu une affiche dans les rues qui était signée Sa Majesté. Est-ce que c'est en rapport? Oui. Attendez, une affiche signée Sa Majesté... Oui, qui parlait de... Ça disait quoi, grosso modo, l'affiche? Est-ce que je vous avoue que comme ça... Attendez, laissez-moi réfléchir une seconde. Est-ce que c'était une affiche de quelqu'un un peu en colère qui disait que il lançait des rats partout en ville. Contre l'oppression, etc. Oui, c'est ça. Ah ben voilà, c'est Sa Majesté. Oui, c'est ça. Et reprendre les richesses, etc. La Majesté, oui, c'est ça. Et donc, vous connaissez ça. Cette personne Oui, je suis son commandant.
ton messager. Ah, mais, on va dire que je travaille. Ouais, messager, on va dire que je travaille pour elle, que je fais partie de ses sujets, quoi. Un peu comme tous les gens. Tous les gens des bas quartiers. D'accord, je vois. Donc c'est une femme. Non, c'est pas une femme, c'est Sa Majesté. Sa Majesté le roi. Le roi des mendiants, le roi des rats, le roi des scélérats. Oh, ça pourrait être intéressant d'avoir une entrevue avec Sa Majesté. Hein. Ça s'obtient pas comme ça, par contre. Il croit. J'ai dit, ça s'obtient pas si facilement, une entrevue avec Sa Majesté. Oui, mais ah, comme oui. On a dit, mon cher Gaspard, si je vous rends un service, vous me devrez un service. Oula, oui, mais bon, c'est pas mon plaisir personnel qui va intéresser Sa Majesté, vous voyez. Ah oui, c'est un gros service, ça, vous pensez? Il est pas très disponible, Sa Majesté? Ouais, on va dire qu'il peut se rendre disponible un peu comme, comment dire, admettant, monsieur le maire, vous voyez. Si vous cherchez à rencontrer monsieur le maire, par exemple, oui, je sais vois, pas, un rendez-vous dans son bureau. T'imagines bien que... Ah, ça commence vraiment à devenir intéressant. C'est pas juste parce que vous avez envie d'aller faire, je sais pas, une petite balade en ville avec lui, quoi. C'est que vous avez souhaité discuter de choses d'envergure. Et si ça peut permettre d'éviter des gens de votre entourage qui se retrouveraient morts, ça peut être intéressant, non? Qui comment? Qui se retrouve quoi? Décédé. Pourquoi il décéderait? Parce qu'il y a énormément de personnes qui décèdent ces jours-ci dans les rues de Saint-Denis. Vous avez pas vu, vous, qui êtes dans les rues? Oh bah non, bah, je fais pas trop attention, vous savez. C'est une rumeur qui court en ville. Oui, j'ai entendu dire aussi, dit, oui. D'accord. Qu'il y aurait énormément de morts ces derniers jours. Et sûrement des gens des bas quartiers d'abord. Hein. Vous savez, ils sont plus faciles à faire disparaître. Oui, bien sûr. Après, comme je vous dis, c'est pour ça que... Comment dire? Il faut éviter d'y traîner, vous voyez. Les gens se reconnaissent si vous en faites pas partie. Il faut éviter de tomber dessus. Mais j'en ai pas trop entendu parler près des bas quartiers. D'accord, bah laissez tourner vos oreilles si vous entendez quelque chose. Ça peut être intéressant. J'ai pas envie que certaines personnes me tombent dessus n'importe quand. Moi, j'ai entendu parler, par contre, qu'il y avait des gens qui aimaient bien, comment dire... On agressait d'autres, vous voyez, pour leur piquer leurs affaires, quitte à aller plus loin que juste des menaces. Oui, tout à fait. Bon. Oui, bah d'ailleurs, il y en a un qui a fini sur la chaise électrique hier soir. Hein. Oui. Ah, c'est vrai. Oui, ah, tout bah, à oui, fait. Oui, oui. Ah, j'ai loupé le spectacle. Ah oui, oui, oui. Un spectacle gratuit en ville. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Hein. C'était qui? Je pense. Comment s'appelait-il? Monsieur Heinrich von Bistouflet, je crois. Von Griesmith, Heinrich von Griesmith. Attendez, je dois vite m'entretenir avec la police. L'Allemand? Oui, tout à fait, oui. Le zoologiste, là? Ah oui, absolument, oui, oui, oui. Il a fini à la chaise? Ah oui, il a fini à la chaise électrique, oui, tout à fait. Là, mon investissement qui part en fumée. Quel investissement, mon cher? Eh ben, il me devait de l'argent, figurez-vous. Comment ça? Vous êtes mendiant, vous faites des crédits? C'est pas parce que j'ai pas d'argent que j'ai pas d'autres services à offrir. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Vous voulez que je vous dise, mon cher, vous gâchez bien votre jeu, je pense. C'est-à-dire Bah, je pense que vous savez, vous avez accès à bien plus d'informations que vous voulez y faire paraître. Oh bah ça, j'ai jamais dit que j'avais pas d'informations. Oui, 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 enfin... Mais par contre, effectivement, j'aime bien mendier pour m'acheter à manger. Ça, oui, ça change pas le fait que j'ai pas d'argent dans les poches. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Après, en même temps, si mes investissements partent en fumée sur la chaise électrique, vous voyez que... Oui, je comprends que vous soyez obligé de mendier. Oui, c'est fâcheux, effectivement. Quoi, vous avez investi sur le zoologiste? Oui, a priori, oui. Bah, c'est pas que j'avais investi, c'est qu'il devait m'écouler de la cargaison, mais bon... Ben là, il a bien écoulé, hein. Mais la cargaison quel genre de cargaison? C'est sur le mauvais poulain, comme on dit. Bah, comme je vous disais, de l'alcool. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah, je connais des gens que ça peut intéresser, votre alcool, là. C'est vrai? Oui, oui, des gens que j'ai croisés qui ont l'air d'avoir la... La picole facile. Ah bon?
Ah oui, c'est vrai, hier soir, il y avait un monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, qui disait qu'un ami à lui, il y avait un problème d'addiction avec l'alcool pendant oui, la... Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est le grand problème en ville, c'est que c'est toujours l'ami de quelqu'un qui... Oui, oui. Oui. C'était très fin, il a vraiment dit, oui, excusez-moi, j'ai une question, s'il se trouve que peut-être j'aurais un ami à moi qui peut-être a un gros problème d'addiction, ben, vous voyez... Oui, après, moi je m'en cache pas, vous voyez, si vous souhaitez acheter de l'alcool, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais écoutez très bien, monsieur Gaspard. Bon, après, ça ne sera pas de l'alcool que vous trouverez à la Bastille, hein. c'est de la fabrication plus artisanale, on va dire. Mais je vois. Oui, on se doute bien que vous distillez pas, enfin, vous ne raffinez pas du vin ou du rhum. Hein. Ouais, je ne sais pas comment on fait. Si, je crois que ça se fait avec quoi? Ça se fait avec du raisin, c'est ça, je crois. Ouais, c'est un truc de français. C'est... De quoi? Le rhum? Non, le vin. Oui, effectivement, oui, c'est avec du raisin, tout à fait, je vous confirme. Le raisin m'a serré pendant un petit moment, oui. Ouais, mais ça se trouve pas trop par ici, je crois. Ça pousse pas trop dans la région, le raisin. Non, ça pousse pas vraiment par ici. Hein. Ils ont comme but de soi-disant faire pousser les Français, Ils sont arrivés ici, mais je pense pas que ça va pousser dans nos contrées. Bon, ça ne marchera jamais, mon cher. Oui, ça marchera jamais. Qui garde bien ça en France, hein. Oui, tout à fait, oui. Puis, ça coûte trop cher, en plus, ils en ont déjà ramené à la Bastille. Mais bon, bref, j'ai un petit rendez-vous qui va m'attendre. Je vais devoir vous laisser, messieurs. Oui, pas de soucis. En tout cas, toujours un plaisir, hein, Gaspard. Ah, de même. Oui, tout à fait, c'est pareil. Monsieur Tipton. Oui, mon cher. Vous faites quoi? Vous voulez m'accompagner un bout de chemin encore? Mais... Bah écoutez, je pensais aller acheter un petit peu de tabac ou un cigare. J'ai envie de fumer un cigare. Qu'est-ce que vous en dites? Je voulais que je vous offre un cigare, mon cher? Oh, bah je suis jamais contre un cigare, ouais, mais il faut que je fasse attention avec ça, parce que je commence à avoir de plus en plus envie de fumer à chaque fois. C'est pas indiscret, vous payez ça combien, un cigare? Bah écoutez, des cigarettes, tout ça. Je ne sais pas. C'est cher. Ça peut être très cher au marché. Ah oui, c'est très cher. Mais... C'est 10 dollars le paquet de cigarettes et je pense 3,50 $ le cigare. D'accord. Ah, mais c'est vraiment cher. Ah oui, beaucoup trop. Oui. Donc, oui. On va voir. Bah écoutez, d'accord. Je sais vers qui je vais aller mendier, moi. Ce sera peut-être pas le patron du maïs. Ah oui, c'est pas l'idée, le tabac. Oui. Ah, mais parce que lui, je pense qu'à mon avis, il doit en avoir plein les fouilles. Ah oui, c'est clair. Ça va déborder du fric. Certainement. Bon, allez mon cher. Ouais, moi je vous retiens pas ici, il faut que j'aille travailler. Monsieur Gaspard, à bientôt. Alors, oh, ça pollue ici, c'est de l'argent, ça. Si je vous revois pas, monsieur Gaspard. Oui. Pensez à aller gratter à la porte à l'étage vendredi soir. D'accord. M'attendez, où est-ce que je vais, moi? C'est en face, en fait. Il faut qu'on aille. Où nous devions aller à la base. Ah oui, mais j'ai un petit contretemps. Ah, d'accord, ok, je vois. Je dois aller... Attendez. Oui, je dois aller à la préfecture de police. Je vais aller voir le responsable. Très bien. Mais écoutez, pendant ce on temps... On se retrouve dans 10 minutes, quelque chose comme ça, au rendez-vous? Au point de rendez-vous, oui, d'accord, oui. Ok, très bien. Faisons comme ça. Ça va tout de suite. Oui, ça marche. Je trouve une... Déjà, je vais faire une petite pause. Je vais aller faire... soulager une envie pressante. Je reviens tout de suite.
Ah, c'est cool, vraiment là, c'est vraiment cool, hein. Je suis content, parce qu'on a une mission, c'est bien amené, c'est parfait, ça va être sympa. Bonsoir. Docteur Tanner, vous êtes là? Docteur Tanner, vous êtes ici? Est-ce que vous êtes dans votre officine, mon cher? En plus, je suis friand de ce genre de jeu, en fait. Quand c'est le staff qui joue des personnages, qui donne des quêtes... Comme ça, là, c'est... C'est vraiment intéressant. C'est bien, là, ça va bien dynamiser le groupe, ça va... C'est cool. Je sais pas ce que t'en penses, Perrault, mais... Ça va devenir intéressant. Le problème, c'est que vendredi soir, je vais pas pouvoir... Je voulais lui poser la question. Alors, besoin d'une lampe. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut passer le vendeur. Y'a quelqu'un? Monsieur Jacques. Mince, c'est fermé, mince. Alors, deux petites secondes. Truc. Mais c'est complètement à l'opposé.
5 minutes. Hop, pour la porte. Parce que comme je serai pas là vendredi, il faut que je regarde, il faut que je laisse des consignes à quelqu'un pour aller ouvrir. Ce fameux Gaspard, il a pas mal de choses à nous... Beaucoup d'informations, je pense, à nous donner. Thank you.
qui est sympa. Majesté, là, je sais pas quoi, là. Tu vas foutre de la main à voilà. J'ai un truc pour toi. Ouais, mon Dieu, c'est quoi? Elle a attrapé les bons souvenirs. Mais bon, elle boit pas maintenant, hein. Si on est réunis. Ah, on va croire que t'es un ivrogne comme tu es. Oh, ah non, c'est que. C'est lui, le service, c'est service. C'est pas toujours honnête, tout ce que t'as bu, hein. Mais, hey, on va se mettre une brosse de temps en temps quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand le boss regarde pas. Les mains en l'air, messieurs. Bon, dites-moi, mon cher. Bon, j'ai manqué de ne pas vous reconnaître avec aussi élégance, c'est surprenant. Hein. Ah, et, vous avez mis un coup de feu manqué là. Et toi, tu seras beaucoup moins élégant quand je t'aurai pété la tronche. Je dois avouer que c'est assez... Moi, je trouve que ça vous va très bien, mon cher. Oui, vraiment. C'est comme ça que je travaille d'habitude. Enfin, à part quand je suis camouflé quelque part, là, évidemment. Mais quand je vais au bureau, je suis obligé de porter ça. Je ne vous avais pas reconnu de loin. Du coup, je vous observais. J'ai vu que vous m'aviez vu. C'est pour ça que j'ai pris... Oui, je vous ai vu au loin. La poudre d'escampette. Hein. Mais oui, c'est malin. C'est malin. Tu ne me présentes pas? Moi, c'est la semi. Bah oui, c'est la semi. C'est. Les gars. C'est le prof. Oui, bien sûr, oui, mon cher. Bonjour. Oui, vous êtes encore moi. Sous comme une barrique et vous ne me reconnaissez pas. Hein? Ah, je connais Bart, mais. Si on se connaît, mon cher, on se connaît. C'est bien vous. Mais oui, oui, ah, ouais. C'est le prof, tu sais bien. Bonsoir, monsieur. Toujours quelque chose à dire, celui-là. Je t'avais pas reconnu, tu au premier abord. Ouais, je sais. S'il y a un petit souci. Vous êtes bien habillé, bon. Paige. Oui, ça lui va très bien, hein. Quand je dois aller au bureau, je m'habille comme ça, effectivement. Oui, bon, la saumure est toujours en état de saumure, c'est ce que je vois. bonsoir. Bon matin. Vous vous rendez compte, mon cher Jim, il ne me reconnaît même pas. Vous êtes fâcheux. Oui. Ah oui, mais je ne connais pas grand-chose. Hein. Pas de miracle. Il y a un œil, je vois de loin quand même, ce qui reste. Oui, exactement, j'aurais pas dit mieux. Bon, bah, c'est un plaisir de vous avoir déjà. Je vois que vous avez bien fait votre petit bout de chemin. Nous avons un petit élément. Apparemment, les forces de police ici sont au courant de notre existence, en tout cas le responsable déjà, et un de ses membres, parce que... On lui a transmis une missive, on s'est trompé de destinataire, au lieu de la donner à moi, on l'a donnée au responsable de la police. Ah. Donc, et cette lettre disait, attendez que je vous dise ça, j'aurais besoin de m'entretenir en urgence absolue à la mairie de Saint-Denis ce soir vers 21h30 avec un représentant des Pinkerton, M. Pepper, à propos des sujets importants, très importants, votre mère. Ah. Ah, bah, là. Oh, déjà, il n'y a pas de nous, Non, exactement. C'est juste qu'ils sont courants de l'existence des Pinkerton. Mais ils n'ont pas votre nom, et ça, c'est très bien. Mais donc, sachez que... Voilà, ils sachons. Oui, nous sachons qu'ils sachent. Oui, ils savent plutôt, je crois. C'est plutôt la bonne conjugaison. Nous sachons. Non, ils savent. Ils savent, oui. Bon, bref, vous avez compris. Ce qui compte, c'est qu'ils sont courants, quoi. Tout à fait. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Excusez-moi, j'ai eu un peu trop tard, hein, justement, pour aller voir ce policier. Ouais, je suis assez le ramusqué sur les berges. D'accord, donc vous êtes, j'en déduis que vous êtes là depuis longtemps, si vous chassiez un ramusqué? Ou pas? Je sais plus, il y avait un chien qui était avec moi. Il faut pas parler de temps avec Soumur, il a un peu de mal avec cette notion. Le temps passe vite, quoi. Ça fait pas longtemps, non, ça fait je crois une dizaine de minutes plus ou moins. Ok, parfait. Sinon, c'est pas les trucs que j'ai appris, ça fait trois jours que je traîne dans les docks, tout ça. Je cherchais des trucs dans les tavernes. Oui.
Et en fouillant, eh ben, j'ai trouvé un endroit. Ouais. C'est là ils fabriquent les trucs chinois, l'opium, tout le bordel. C'est l'opium. Ouais, j'ai déchiré les pages. Il y a des dossiers, des dessins. Je sais qu'ils font des trucs avec le pavot. J'ai trouvé l'endroit où ils fabriquent tout. Enfin, je ne sais pas qui, mais en tout cas, excellent. J'ai trouvé un truc. Bon, après, voilà. Oui. Après, c'est tous les recettes chimiques, tout ça. Moi, je ne connais rien. Donc je vais... Ah, ça serait intéressant de me les faire passer, que je puisse regarder effectivement ces recettes. Oui, oui, travailler le concours et partager vos compétences pour aller dans le mieux. Hein. Et vous savez quoi? J'ai trouvé un Chinois qui vend des produits chimiques. Et je crois que ça sert pour les trucs de ça, quoi. Hein, je sais où il est, gros. D'accord, très bien. Vous, votre spécialité, c'est quoi encore, la soumise? Rafraîchissez-moi la tête, parce que pour moi, à part l'alcool... C'est... Hein? La traque, ouais. Monsieur Pepper, la traque, demander à... La traque, ouais, c'est ça. Ah oui, les mecs, ils sont partout. Mais quand vous n'êtes pas imbibé, quoi. Non, mais... Est-ce qu'il s'est qu'à trouver le labo de... Oui, très bien, belle track. C'est qu'à trouver le vendeur de chimie. Non, magnifique. Ouais, doué, hein. J'ai un bon oeil. Ok, d'accord. Qui est l'expert en plantes? Je crois qu'il faut que t'arrêtes de parler, Sommier. C'est pas qui est l'expert en plantes ici? T'as du mal. Oh, j'ai quelques connaissances en herborisme, mon cher. Je suis un expert. Ok, il me faut des plantes, absolument, parce que il y a une force de fumée, j'ai de plus en plus envie de fumer. Va, c'est bien. Ben c'est vrai, si vous êtes professeur, vous pourrez peut-être... Ça va aller de me couper, Paige. Hein? Donc je disais, il me faudrait des plantes, parce que je commence à avoir extrêmement... Paige. Vous m'entendez, Paige? Il n'y a pas grand monde qui parle ici. Vous m'entendez? Mais on ne s'entend pas, M. Pepper. Et les autres, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je crois qu'elle vous fait une farce, mon cher. Bon, mais écoutez, ce sera la fin de la collaboration avec M. Page. Hein, c'est pas grave. Hein. Bon, ben non, tant pis. Dans tous les cas, est-ce que vous connaîtriez des plantes qui pourraient m'aider? M. Pepper, c'est votre peur. Hein. Mais les autres, parlez-lui. Voyons voir s'il vous entend. Bon, mis à part des grognements, c'est tout ce que j'entends hein, de la part de M. Page pour le moment. Oui, mais il vous entend pas non plus. C'est quoi? Mais non, c'est moi, c'est Page, lui c'est Pepper. Vous m'entendez? Oh mon Dieu. C'est insupportable, hein? Oui, je confirme. Et pourquoi cette porte s'ouvre? Pourquoi cette porte s'ouvre? Bon, je vais aller pisser un petit coup dans le coin, faites comme moi. Oh, qui va ranger ça. Et du coup, j'imagine qu'on va se présenter à la police sous notre vrai visage, c'est ça? Peut-être pas tout de suite. Je pense que tant que la plupart d'entre nous ne sommes pas découverts... Après, voilà, la police sait que notre agence est sur place. Ils ne savent pas exactement combien nous sommes, donc... Ouais, mais bon... Si on doit bosser avec la police, il vaut mieux qu'ils sachent qui on est, quand même, non? Ils vont en parler avec Jim, mais je pense... Enfin, si vous voulez mon avis, mon cher Page, je pense que... Mon point de vue, en tout cas, c'est qu'il faut rester encore discret. Je suis persuadé que nous arriverons plus facilement à nos fins de cette manière que si tout le monde sait que nous sommes de la Pinkerton. Alors moi en plus tu commences à discuter avec des potes quartiers ils me prennent pour un gars de chez eux quoi Tiens, en parlant des bas quartiers, mon cher Saumur, est-ce que vous avez entendu parler de certains une personne qui se fait appeler Sa Majesté? Ah bah oui, justement parce que j'ai pas seulement trouvé le laboratoire de l'opium et de produits chimiques, j'ai trouvé pas loin de la taverne
moi, je cherchais dans les caisses, il restait une petite bouteille de whisky qui traînait. Bon. Et je suis tombé sur les gars, dont le tavernier, et ils m'ont parlé, ils m'ont coincé dans une cour, et j'ai trouvé un alambic de... l'alcool, toi, le truc un peu plus fort que... Oui, pour fabriquer de l'agnole, quoi. Ouais, voilà. Mais pas aussi bonne que la mienne, je vous le dis tout de suite. Ouais. Bon, vous m'entendez, là. T'as gardé des échantillons qu'on peut analyser, tout ça. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mon cher. Ok, Paige, vous m'entendez, Paige? Paige. Paige, je crois qu'il il est vexé, je pense, hein, mon cher. Moi, je l'entends pas non plus. Hein. Mais qu'il aille, qu'il aille se racler la gorge un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous devriez aller vous racler la gorge un peu plus loin, a priori. Exactement. Ou boire un coup de gnôle. Ou boire un coup de gnôle, ouais. Effectivement. Ouais. Faites ça, oui. Et s'il comprend pas, c'est qu'un sombre imbécile. Non, mais moi, vous m'entendez, non? Et putain, ouais. Sombre crétin, barrez-vous. Alors. Je vais l'assassiner. Bon, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Bon, je vais me balader, alors. Et Saumur, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, monsieur. Bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, c'est lui, alors. Putain. Bordel. Et donc, mon cher Saumur, concernant cette majesté, alors, vous avez eu des... disons qu'on m'a encerclé et braqué avec... Parce que voilà, j'étais trop près de l'alambic. Ouais, ça sentait bon, je me suis approché. Mais je comprends. Et là, ils ont commencé à me dire qu'il fallait pas venir, d'où je venais, blablabla. Bla, bla. Et ils ont parlé que c'était le quartier de la Majesté qui contrôlait tout ça. Là. Et qu'il était con de les gens de la haute, tout ça. Et que bientôt, ça allait changer, tout ça. Mais je sais pas qui c'est, mais je sais que le tavernier, c'est un des chefs de la bande. Mmh. Et il y avait les petits morveux avec la grande dame qui parle comme vous, monsieur Pepper. Une dame un peu bizarre. Mais la famille Guibert. Oui, voilà. La famille Guibert, oui. Bah, fait croire qu'elle est très pas dans le quartier, mais moi je vous le dis, elle traîne dans le quartier là-bas. D'accord. Et avec les fameux tenanciers qui font de... Voilà. Après, oui, attendez, sur le mur. Celui qui vous a dit d'arrêter ce que vous étiez en train de faire, c'est pas un petit monsieur avec une capeline verte qui s'appelait Gaspard? Non, c'était celui qui a une casquette qui se fout au torse nu, le patron de la taverne. Je sais pas son nom. Faut que je le demande. Et il était avec un petit gars à côté, mais je sais plus si c'est une cape. D'accord, okay. Je vois. Si vous voulez mon avis, mon cher Saumur, une de vos missions prioritaires est de découvrir qui est cette majesté. Il n'y a pas de problème de me traîner dans la taverne et il me trouve très sympathique. C'est un bon client. Pas bien. Vous avez entendu pas. Et ça vous intéresse, les trucs de chimie, là Ah oui, bien sûr, oui. Si vous avez des recettes, des notes, tout ce qui concerne... Je vous montre aussi, oui. Ce genre de choses, oui, ça m'intéresse, oui. Bordel, j'ai trop chaud, là, je sais pas vous. Oui, moi c'est pareil, je crève de chaud là-dessous, oui. Bon, foutons-nous à poil. J'ai encore trop chaud. Ah. Oh my god. Ah, on va se baigner dans le bayou si vous voulez. Oui, non, mauvaise idée. Hein. En remontant. Même en remontant les manches de ma chemise, j'ai vraiment trop chaud. Il n'y a rien à faire. Peut-être à l'intérieur de la maison, peut-être à un autre endroit, c'est mieux, mais... C'est très, très chaud. On peut se baigner dans la fontaine. Ah ben là, c'est beaucoup mieux. Parfait, venez, on va discuter dans la fontaine. Et comme bon. Ça, notre ami la Saumur va pouvoir prendre un bain. Exactement, Paige, oui. Comment vous savez que c'était là que je voulais en venir? Ah, on est vraiment bien, là. Ça, c'est parfait. En plus, ça fait du bien, ça détend. Hein. Oui, c'est vrai.
Quoi, Sardoukan? Ça poquait. Ça poquait, d'accord. Donc, effectivement, comme l'a dit... Oh, mais par contre, il fait très froid maintenant. Comme l'a dit notre ami Huntington, oui, je vois. Mon premier travail, ça serait de vous rapprocher de sa majesté, ok? D'accord, la saumure? Oui, compris. Et surtout, mission très importante qui nous a été confiée par le maire un peu plus tôt, il va falloir se... Vous nous entendez maintenant, Paige, tant qu'à faire? Paige. Est-ce que vous entendez, monsieur... Monsieur Pépard? Non, toujours pas, non. Oh, bordel. Mais par contre, je vous entends, vous. Mais c'est bizarre. Mais je ne sais pas quelle est cette sorcellerie. Bon, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, ceux qui m'entendent... Ouais, pourtant, hein, je me suis assis un petit peu dans l'herbe, là-bas, mais... Bon, ben, terminez la discussion, Huntington. Vous leur direz ce qui nous a été transmis par le maire et la mission qui nous a été donnée. Ça va? Oui, ok, très bien, je m'en occupe. Okay. Je vais aller voir le préfet de police pour voir si je peux me faire engager et lui parler de nous, vu qu'il sait qu'on existe de toute façon. Ok, très bien. Bah, écoutez, comptez sur moi, je vais expliquer à Paige tout ça. Oui. Ça va, je vous laisse gérer, comparses. Et ne les laissez pas dire, hein. Surtout ces grosses buttes de Paige, je sais qu'il m'entend pas, c'est vraiment un imbécile. Très bien, je lui dirai, oui. Eh ben, Bart, peut-être qu'il m'accompagne, il a acheté de l'alcool peu préparé aussi, et peut-être que... comme il est client là-bas aussi, il pourra aller avec moi. Ouais, je pourrais, ouais. Et côté de la taverne, ben c'est sûr que c'est dans le quartier là-bas. Je connais le petit... un petit vendeur là-bas, c'est... Le petit Morico qui se balade... Ah oui. C'est super joli ou je sais pas quoi là. Mais je l'ai déjà aperçu effectivement. Le plus beau, je sais pas quoi. Ouais. Pour être sûr, tous ceux qui traînent là-bas, ils sont tous de mèche. Voilà. D'accord. Bon donc oui, alors que je vous explique du coup, nous avons rencontré Monsieur le maire tout à l'heure. Bon, il nous a confié une enquête des plus importantes. Il s'avère que depuis quelques jours, monsieur, il y aurait eu un certain nombre d'assassinats en ville. Ah oui. Oh mon Dieu. Oui, tout à fait. A priori, oh là là. Alors on a très peu d'informations. Tout ce que nous savons, c'est que... plus d'une vingtaine de personnes, 23 exactement, auraient été assassinées dans les 2 derniers jours, dans les 48 heures. Voilà. Donc il nous a chargé de mener une enquête à ce sujet, et de découvrir qui est l'assassin, qui est ce meurtrier en série. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Vous pensez que c'est moi, c'est ça? Pas du tout, mon cher. Pourquoi vous dites ça, mon cher Paige? Vous pensez vraiment que j'ai que ça à faire, que tu tues plein de gens? Hein? Mais non, mon cher, voyons. Ah, mais je vois bien, là, vous voulez revenir. Pas du tout. Là, vous méprenez, hein, mon cher. Vous méprenez. Non. À aucun moment, je vous ai... Comment dire aidez-moi, mon cher, Sommier, je cherche mes mots. Sachez que Bart, il tue jamais gratuitement. Comment? Ah, tu tues jamais gratuitement. Ah, c'est toujours payant. Ouais. Bah ouais. Bon, a priori, donc de ce que le maire nous a expliqué, les victimes ont été sauvagement assassinées. C'est-à-dire sauvagement. Mais apparemment, les corps ne sont à peine identifiables. Hein. Ils sont... Oui. C'est pour ça que les policiers, tout à l'heure, ils m'ont regardé un peu bizarre avec ma hache. Ils ont dit ils m'ont arrêté tout à l'heure. Bon, il faut avouer que j'ai un peu dégobillé chez le docteur. Je suis parti, je paye pour le nettoyage. Bravo, la soumise, franchement. Tu t'éparpilles déjà. Bon, si vous me trouvez les cadavres, je vais peut-être pouvoir identifier comment sont morts ces gens et...
Alors, quelle arme a pu être utilisée, tout ça, la balistique, etc. Oui, tout à fait. Alors, a priori, de ce que monsieur le maire nous a dit, les dépouilles n'ont même pas été enterrées. Elles auraient été balancées dans une fosse commune. Donc, nous pensions, avec monsieur Pepper, nous rendre au cimetière. Entre-temps, nous avons été... prise à partie par une personne, nous avons discuté, et puis au final, il était l'heure de venir vous voir, donc du coup, nous n'y sommes pas allés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, apparemment, il y aurait une morgue en ville, et que les corps seraient passés par cette morgue. Hein. Mais nous avons quand même très très peu d'informations. Hein. Et vous croyez que c'est la majesté, ou un truc comme ça? Non, je ne pense pas, enfin je ne sais pas, c'est simplement que, comme vous me dites que vous êtes plutôt bien infiltré dans les bas quartiers, et que nous avons rencontré M. Gaspard tout à l'heure, il nous a parlé de cette fameuse majesté qui tirait apparemment les ficelles dans les bas quartiers, bien de savoir à qui on a affaire, quoi, vous voyez. Bah, Abrévi, le tavernier... je pense goupille des trucs là-bas, il m'a proposé de travailler un peu pour lui, je vais lui fournir de la viande et quand je pourrais chasser du gros gibier, et il va me proposer d'autres trucs, donc je pense que j'aurai d'autres infos après. Bon, très bien, en tout cas, sachez que la priorité des priorités est de trouver qui est ce tueur en série, hein. C'est vraiment... C'est vraiment notre priorité. Il y a une grosse somme en récompense à la clé. Il y a moyen d'aller voir c'est les gens et c'est tout. Il y a des endroits où peut-être il y a des traces, quoi. C'est à nous à le découvrir, a priori, de ce que j'ai compris. Hein. Monsieur le maire était quand même assez vague et nous a donné très peu d'informations. Il est témoin ou... On ne sait pas. Des spécifiques, des meurtres... On ne sait pas du tout. C'est génial. Les seules informations que nous avons, c'est que, a priori, toutes ces personnes ont été tuées avec un couteau. Quel genre de couteau? Je ne sais pas du tout, mon cher. Un truc comme ça, quoi. Certainement. Je pense peut-être que, a priorité, ce serait peut-être essayer de voir s'il y a un médecin légiste ou quelqu'un dans cette fameuse morgue, essayer de voir où sont ces corps. Ouais, c'est ça. Et s'il y a un médecin qui a éventuellement... identifier des cadavres il n'y a pas longtemps. Ah bah j'ai croisé un doc en train de faire de la pêche. Ah oui, ça c'est Monsieur Tanner. Non, l'autre. Ah bon. D'accord. Bon, parce qu'en général c'est Monsieur Tanner qui pêche, mais oui, c'était comment il s'appelle, Monsieur Rivers. Voilà, avec son âne et son bourricot. Mais tout à fait. Costume dans la boue, n'importe quoi. Je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il traîne dans le bayou, il y aura des poules. Oui, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, Monsieur Tanner avait peur la dernière fois que Monsieur Rivers ait été croqué par un alligator. Ah bah, je me suis occupé d'un alligator. Il allait se faire manger son bourrico. Ah oui, d'accord, je vois. Bon. T'as vu, bah, c'était mon bain trimestriel, toi. Je suis propre. Ouais, je vois ça. Presque propre. Donc voilà, messieurs, concernant donc cette enquête. Sachez que Monsieur Marie nous a indiqué également qu'il allait devoir également donner ses informations au policeman. Donc bon, nous sommes en concurrence avec le bureau de police. Ah oui. Je vais voir. Bon. Et donc, on ne sait pas où ils sont. Et quand tu remontais une piste, on ne sait pas où ils sont. Ils ont été tués. Bah, c'est vous le tracker, hein, cher Zomia. Oui, il faut bien un début de piste. Bon, c'est une piste. Oui, je sais que c'est très flou. Hein. Je sais. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Oh, bah, on va essayer de trouver ça. Écoutez, bon. Vous n'avez pas des clopes par hasard? Ah non, je ne fume plus. Hein. J'ai arrêté. Bordel. Ça me rend trop nerveux. Attends, attends, si tu veux te calmer, j'ai des petites plantes, tu veux. Sinon, tu veux une clope? Mais si t'en as, ouais, mais... Moi, j'ai pas besoin de me calmer, c'est juste que... Pourquoi? J'ai attendu, c'est ça? Si, il y a une chose, par contre. Ouais. Essayez de vous renseigner auprès de Monsieur Pattinson.
Vous savez, c'est monsieur qui m'a agressé hier soir. Enfin, une des deux personnes qui m'a agressé hier soir. Apparemment, ce monsieur serait un espèce de croque-mort. Apparemment, il est charpentier, il fabrique des cercueils. Peut-être qu'il aura des informations à vous donner. Merci, Saumur. Bref, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, pour le moment, ce que je peux vous dire. Ah bah, parfait, on va aller voir ce monsieur Pattinson et puis on va lui demander combien de cadavres est-ce qu'il a chopé ces temps-ci, hein. Oui, bon, après, a priori, je pense qu'il vous dira qu'il n'en a pas chopé tant que ça, ou voire pas du tout, étant donné que tous les corps ont été jetés dans une fosse commune. Je pense qu'il faudrait surtout questionner ce monsieur Pattinson, savoir s'il sait où est cette fosse commune. C'est une bonne idée, ça. Ça pourrait éventuellement choper des cadavres et voir un petit peu de quoi ça a l'air. Tout à fait. Ouais. Ouais, bouge-toi, ce mur. On a du boulot. Il y a un peu enquêté, c'est le thé, les cafés, les salons, les tavernes, tout ça. Et des fois, on a pour des trucs. Il y a du mal. Oui, bien sûr. Ouais. Bon. Et c'est pareil, est-ce que vous savez où est-ce que je peux acheter une lampe à pétrole? C'est pas l'armurier. Je crois que c'est l'armurier avec des canards. D'accord, ok, il faut que j'aille voir. Monsieur Gaspard nous a parlé également d'une crypte. Ah, une crypte, carrément. Oui, tout à fait. Pardon. Mais c'est sûrement, hein. Sûrement près du cimetière, ça. C'est a priori à côté de l'église. Ouais. Il apparaît qu'il y a des gens qui traînent près du cimetière. Des voyous qui auraient leur base près du cimetière. Ouais, mais ça doit être le même. C'est peut-être les. Le tavernier, majesté, c'est tout le coin là-bas. Peut-être les Guibert, non? Non, je ne sais pas. En tout cas, monsieur Gaspard nous a. Mise en garde nous rendre dans les bas quartiers. Il nous a dit que une personne comme moi, enfin en tout cas habillée comme je suis ou comme Jim, nous faisions des proies faciles et intéressantes. Vous croyez tout seul, non? Bon, voilà. C'est bien, ouais, effectivement. Voilà ce que je peux vous dire, messieurs. C'est parfait, hein. Est-ce que tu me diras quand tu veux que je te montre tous les bidouilles de chimie, tout ça, l'endroit où c'est, tu me diras. Ouais, ok, très bien. Bah, peut-être que nous pourrons faire ça plutôt demain soir. C'est dans le quartier. C'est dans le quartier des Chinois. D'accord. Et l'autre, le laboratoire, c'est vers le marché. Ok, très bien. Écoutez, mon cher Saumur, peut-être que nous pourrions nous fixer un rendez-vous tout de suite et dire, je ne sais pas, vous pensez que demain soir à 21h, nous pourrions nous retrouver devant le parvis de l'église? 21h, parvis de l'église. À 21h. C'est 21h. Bon, écoutez, on fait comme ça. Tu viens avec nous, Bart? Mais bien sûr. Il est le bienvenu. Je ne suis pas contre un petit peu de sécurité. Nous pourrons peut-être en même temps, une fois que j'aurai acheté cette lampe à pétrole, aller discrètement jeter un œil dans cette crypte. Ouais. T'as pas environ, t'as pas $20 par hasard. Dis à moi. Ouais, quelqu'un. Non. T'as besoin de $20, pourquoi? Pour m'acheter mon fusil à verrou. J'ai que 5 là. Là sur moi, non, je dois avoir $4. C'est parce que bien. Bon. Je suis désolé, mais avec ce Cattleman, ça fera plus de dégâts si je tape quelqu'un avec. Hein. Ah, si. Pour m'introduire avec les taverniers, et je pense toute la bande de la Majesté là. Il voudrait du maïs. Il voudrait trafiquer du maïs, donc il faudrait qu'on ait quelqu'un qui est dans le maïs et lui nous l'achèterait un peu plus cher. Voilà. Je lui dis que moi j'étais dans le tabac, tout ça, mais si on a quelqu'un qui est dans le maïs chez nous,
Il y a moyen de faire des trucs. Oh, ouais. Bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais dans le maïs, nous avons, je crois, Monsieur Moonstar qui s'occupe de la protection des champs de maïs. C'est parfait. Bah, Moonstar, hein. Le tavernier là, qui a une casquette de la taverne, il cherche des maïs. Voilà. Non, très bien. Voilà. Revenir de ma part, ou moi je le prends, le maïs, je sais pas. C'est parfait. Si vous n'êtes pas habillé trop propre, on y passera. Il ne faut pas être habillé trop propre dans les bas quartiers. Oui. Je vais me faire peut-être un passer chez le tailleur, me faire faire une tenue un petit peu plus adéquate. Si tu es avec moi, ça va. Je commence à être connu là-bas. Ok, bien. Tu prends ma main et tu dis direct, En tout cas, monsieur Page, sachez que si nous résolvons l'enquête du tueur en série rapidement, le fusil à verrou, vous allez pouvoir vous en acheter un certain nombre. Hein. Ouais. Oui, monsieur Marais nous a promis $200. Eh, pas mal. Donc, pour l'instant, dropiste et crypte. C'est ça l'idée. Oui, je pense qu'il faut regarder au niveau du cimetière et au niveau de cette crypte, effectivement. Si tu veux, on peut aller à la crypte. Moi, je vais pas avoir spécialement le temps ce soir, mais vous pouvez y aller si vous voulez sans moi, il n'y a pas de souci. Bon, ouais, cimetière. Vous savez où est-ce qu'elle est, par contre, hein? Ah bah non. Moi, plus ou moins, je pense qu'elle est... Elle est pas très loin de chez les Chinois, là-bas. Oui, je vous confirme, oui, c'est ça. Ouais. Près de l'église, un peu plus loin. Mais au fond, quand vous êtes en face de la porte d'entrée, elle serait... dans un tombeau au fond à droite. On va peut-être aller voir là-bas. Bon, très bien. Par contre, a priori, ce croque-mort là. Mon cher Page, excusez-moi, je vous coupe la parole. Monsieur Gaspard nous a bien dit, par contre, que pour rentrer à l'intérieur de cette crypte, il fallait absolument avoir une lampe à huile, hein, parce qu'on n'y voit rien du tout. Donc peut-être ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à voir du côté du cimetière, essayer d'avancer au niveau de l'enquête à ce niveau-là, n'allez pas dépenser de l'argent bêtement, et demain soir, nous allons visiter la crypte ensemble. Alors, on aura peut-être besoin du prof en chimie, parce qu'il y a des traces de... Oui, tout à fait, on pourrait faire quelques relevés. Mais d'ailleurs, à ce sujet, Monsieur Marie, parce que j'ai fait une demande auprès du maire, et elle m'a stipulé que... Je devrais pouvoir avoir mon laboratoire très bientôt. Ah, c'est bien ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on trouve du pavot. Voilà. Bon, très bien. Alors moi, ça va être mon boulot, je vais aller chercher dans les marais. Je trouverai bien un endroit où trouver du pavot. Parfait. Ouais, je me sens lus dans mon flag. Ouais. Mais bon, on va faire avec. Bon, très bien. Écoutez, allez, je vous laisse cette fois-ci. On se voit demain soir. Si on se recroise pas ce soir, 21h sur le parvis de l'église. Oui, et je vous dépose les pages arrachées du calepin. Un endroit où on va mettre. Vous pouvez me les donner directement si vous les avez. Je ne sais pas, je ne sais pas écrire, j'ai arraché. Ah, très bien. C'est pas là, je les ramènerai. Dites-moi, mon cher, vous avez appris à écrire depuis la dernière fois qu'on s'est vu ou... Non, c'est pour ça que j'ai arraché les pages. Je vais m'en occuper. Oui, ou sinon on y va, mais bon, oui, si on pouvait rester discret. Ah bon, non, on n'a pas le temps de lui apprendre à écrire. C'est sûr. Mais c'est compté. Bon, très bien. Ouais, plus ou moins. Parfait, mais écoutez, à demain soir. Allez. Bonne chance, messieurs. Allez, je pars par là. Bon, ben c'est bien, ça donne du jeu à tout le monde, c'est cool. Plein de petites intrigues, même si, à mon avis, je pense que tout doit se recroiser. Là, cette histoire de majesté, cette histoire de bandit de bas quartier, là, tout doit coïncider à mon avis, mais bon, c'est bien, c'est cool.
C'est cool, c'est cool. Oh, je vais aller à la Bastille. Je vais aller racheter un petit petite assiette de, je sais plus ce que c'était là, ce qu'il m'avait donné à manger là, c'était très bon. Et puis voilà. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est bien. C'est la meilleure soirée pour le moment. C'est la meilleure soirée, ça se met en place. Ah, vraiment, on commence à avoir des infos, une vraie mission, une vraie enquête, une vraie intrigue. C'est top. Voilà. Cool. C'est ouvert là. Ouais. Et le tailleur est là. Je vais me faire une tenue un peu plus discrète. Ouais, c'est ça, tu vois, ça commence. Bon, il aura fallu 3-4 soirs pour que ça commence, mais c'est bien, c'est intéressant. Intéressant. J'avais un peu peur, quoi. Pour être franc, j'avais un peu peur que on me donne peut-être pas suffisamment de jeux et tout, mais en fait, non, c'est très bien. Alors, c'est encore ouvert. Bah tiens, je vais regarder pour cette histoire de... porte. Ah merde, c'est fermé. Allez, chez l'armée. On passe par là-haut. C'est ouvert. Parfait. Parfait, parfait. Je pense que le fameux Balthazar, ça doit être un staff aussi. Mon avis. Je pense que ça doit être un staff. Ah, c'est Balthazar. Après, on s'en fout, quoi, que ce soit des staffs, pas des staffs, du moment qu'on donne du jeu et qu'on s'amuse, c'est tout ce qui compte, quoi, j'ai envie de dire. Ah, on sait que j'ai noté son nom. Oui, Gaspard, pas Balthazar, putain. Ah, moi, ma mémoire, heureusement que je note. Hein. Non, on frotte bien, hein, parce que ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas lavé. Je commence à sentir le bayou. Alors, il faut que je note demain ça.
Oui, alors oui, je suis d'accord que le staff est aussi là pour ça, mais c'est pas le cas dans tous les serveurs, quoi. Voilà. C'est... Moi, je garde une très bonne expérience, un très bon... une bonne expérience, tout simplement. Sur un serveur Days, sur lequel on faisait du RP il y a 2 ans... où en fait, il y avait une quête. Et en fait, c'était des MJ qui animaient l'histoire, en fait. Et ils animaient... et l'histoire se déroulait en fonction des actions des joueurs sur leur plateau de jeu, quoi. Ils étaient vraiment là en tant qu'MJ, quoi, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée, quoi. Donc c'est top, quoi. Moi j'aime ça quand c'est comme ça que t'as des histoires. Il faut pas parler comme ça dans le dos des gens, dans la tournée. Pardonnez-moi. C'est pas possible. Je le sonne. Je suis navré. Ouais, surpris. Vous regardiez ces belles affiches? Non, pas du tout. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais m'asseoir sur cette chaise en attendant que quelqu'un passe. Oh. Et vous m'avez eu, hein? Vous attendez quelqu'un? Oh, j'ai peur de ne pas saisir, monsieur. Monsieur, qui est monsieur Maurice? Oh non! Oh non, j'ai inversé! Oh non! Oh. Ah, je suis confus, monsieur. Je les ai inversés. Moi, ça. Après, tu vois, voilà, sur un serveur comme Nolocha, bon, t'as une trame, t'as des choses, mais les gens utilisent l'histoire, ce qui se passe. Bon, ah ben, moi, décidément. Ah, bonsoir, l'ami. Bonsoir. Bonsoir, mon cher. Bon, j'ai bu, bon endroit, j'ai bu en l'honneur de Napoléon, mon cher Sinclair. Ah ben vous avez bien fait, c'était un bon chien. Vous avez bu que en l'honneur de Napoléon ou plus? Non, juste en l'honneur de Napoléon, quand même. Il faut faire attention. Vous oui, savez, c'est j'ai... Pas... Ouais. J'ai assisté hier soir à une réunion sur l'addiction. D'ailleurs, mon cher Sinclair, si vous... je peux me permettre, monsieur Tanner vous savonne un petit peu la planche, hein. Comment ça, qu'est-ce qu'il a, monsieur Tanner? Je ne comprends pas. Comment ça, qu'est-ce qu'il fait avec sa planche? Bon, disons que, comment dire, hein, elle a fait une intervention hier de sensibilisation sur l'addiction à l'alcool, ce genre de choses. J'ai peur oui. que ça nuise à votre commerce, mon cher, si on commence à dire non, aux gens non. qu'il ne faut plus boire d'alcool. Non, non, c'est vrai que c'est très drôle. Mais non, je ne pense pas qu'il faudrait, comment dirais-je, s'alarmer d'une telle information. Les honnêtes gens comme vous et moi savons que l'alcool est un mets qu'il faut... Déguster. Oui, et c'est très bon pour la santé, d'ailleurs. Sinon, nous terminerons comme tous ces gueux des bafons qui ont le nez rouge et des pustules et tout le tralala. Oui, bon. Il parlait sûrement plus de drogue, un peu indigène, hein, ou des choses, vous voyez... De drogue, grand Dieu, non, ce n'est pas à la Bastille que l'on consomme de la drogue ou qu'on non, non, je parle de monsieur, comment il s'appelle, monsieur Tanner. Oui, tout à fait. De l'addiction, il ne parlait pas que de l'alcool. Oui, tout à fait.
Vous voulez dire quelque chose, monsieur Anderson? Non, bien sûr que non, j'écoute votre conversation, monsieur. Ah, comme vous vous éclaircissiez la gorge, j'ai cru comprendre que vous vouliez prendre la parole. Oh, non, bien oui, sûr. Moi, je pense que vous voulez prendre la parole. Mais on vous écoute, mon cher, qu'est-ce allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez, oui? Écoutez, messieurs, je ne me sens pas vraiment concerné par ce qui s'est passé hier soir au Théâtre Râleur, mais je pense que c'est bien de prendre conscience de ce qui a été dit. Qu'a-t-il été dit, d'ailleurs? Tout ce qui est en par précision, rapport... évidemment. si je me souviens bien, tout ce qui a été dit par rapport au tabac, à l'alcool, comme quoi il ne fallait pas en abuser, et qu'il y avait d'autres moyens de se déstresser, si j'emploie ces mots, autres que mais ces c'est, moyens. C'est dégueulasse de dire des choses comme ça. Ah oui, il parlait d'une petite recette qu'il fait lui-même, c'est ça, non? Qui vaut un certain prix. Hein. Ah, on y vient, vous voyez, mon cher Sinclair. Il est en train de vouloir vous faire de la concurrence. Hein. Mais quelle recette oui. Si ça fait. Oui, enfin, je ne sais pas, il faudrait. Il faudrait approfondir le sujet. D'ailleurs, monsieur Sinclair, vous oui. allez pour le mieux? Bah écoutez, on se remet hein, entre l'attentat contre mon établissement, le décès de mon chien. Oh, vous avez un chien? Bien sûr, oui, Napoléon. Il avait un chien, un peu plus tôt que ce matin, oui. Navré de l'entendre, monsieur Sinclair. Ah, il était très, très, très fidèle. Oui, ça faisait un moment que je ne le sortais plus parce que je n'avais pas le temps, mais c'était sa dernière sortie. Un meurtre atroce. Hein. Il est mort de vieillesse, d'une maladie? Pas du tout. L'individu l'a frappé jusqu'à la mort. Oh non. Ah oui. Oui. Ah non. Si. C'est terrible. Et je vous le mets dans le mille. Quel genre d'individu? Vous avez attrapé l'individu qui a fait ça? Regardez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Non mais ouais, la police peut-être. Lui servir un verre de vin, il peut pas faire grand-chose. Hein. Mais la police... Je leur ai signalé, non, je leur ai pas signalé ça d'ailleurs, c'est ma faute. C'est vrai, c'est pas bien ça. C'est oui, la première chose à faire, monsieur Sinclair. Écoutez, j'étais déjà anéanti par la tristesse, j'avais pas en plus laissé le cadavre de mon chien au milieu de nulle part pour aller trouver la... Qu'avez-vous fait du corps Nous l'avons enterré. Oh, d'accord, c'est une bonne chose alors. Près de l'église. On l'a pas vraiment enterré, on l'a mis à un endroit où il sera enterré. Nous l'avons enterré. Ah bon? Oui. Moi, oui, quand même, creuser, mon cher, hein. Un petit peu de respect pour le défunt, s'il vous plaît, j'étais là, monsieur, personne ne vous avez enfin, peur. J'ai pas vu la suite. J'ai dit que nous l'avions enterré. Bon, oui, je me rappelle, oui, c'est vrai, il y avait un trou, il était enterré, oui, bien sûr. Bon, au moins c'est une bonne chose de faite, monsieur Sinclair. Napoléon? Oui, bien sûr, il s'appelait Napoléon. Ah, oh, très bien. Là, c'est... Comment c'est une bonne chose prénom, de faite hein. Vous aimez pas les chiens? C'est vous? Vous avez commandité cet homme pour assassiner mon Napoléon? Parce que vous n'aimez pas les canins, c'est ça. C'est pas très bien, monsieur Anderson, hein, de le dire devant les personnes comme ça. C'est à moi que vous parliez, non, j'adore les animaux. Mais pourquoi vous dites une bonne chose de fait, hein? Monsieur Anderson, pourquoi vous prenez cet air gêné, vous êtes tout rouge? Oui, vous regardez par terre sans cesse, je voulais cesser de taper du pied. Assumez, hein, monsieur. Non. L'incendie d'hier soir. Messieurs. Je crois que je vais aller voir les policemen tout de suite pour vous dénoncer. Hein. Écoutez-moi, messieurs. Monsieur Anderson, est-ce que vous avez été agressé par des chiens dans votre enfance? Messieurs, d'accord. Écoutez-moi. Et le rapport au feu, est-ce que vous êtes un peu pyromane, peut-être? Non. Bonjour. Écoutez, oui. Bonjour, monsieur l'agent. Ah bah tiens, vous tombez bien. Non. Pas tout de suite, on va d'abord l'écouter. Pour d'accord, écoutons-le. Mm-hmm. Donc les chiens. Alors, premièrement, j'avais... Tu m'as appelé? Un alibi, j'étais au... Non, du tout, mon cher, excusez-moi, c'était une boutade. Ah, d'accord, bon, c'est pas grave, monsieur. Mais bonne soirée. Près de la... Non, mais quand je disais une bonne chose de fait, c'est que vous lui avez quand même donné une petite cérémonie pour sa mort. Beaucoup ne l'auraient pas fait, vous comprenez? Bien évidemment, oui. Beaucoup jettent des cadavres d'animaux comme ça, ils sont dans les rues, et je trouve ça honorable de votre part, monsieur Sinclair, de l'avoir enterré tel un... Comme si c'était quelqu'un de votre famille, vous comprenez? Mais c'était plus que quelqu'un de ma famille, c'était mon seul ami.
Oh. C'est pas vrai, monsieur Sinclair, on est un peu vos amis aussi, non, maintenant? Bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, mon seul ami Khan. Bien sûr. Oh, non. Comme c'est mignon. C'est très touchant, oui. Nous allons nous cotiser vers une quête et aller vous acheter un nouveau petit compagnon, si vous voulez, ah, monsieur Sinclair. Non. Ça ne remplacera jamais un Napoléon, hein. Voilà, non, exactement. C'est sûr, mais bon... Napoléon 2, par exemple, pourrait faire l'affaire. On n'achète pas le bonheur avec pas un autre Napoléon. Il n'y a eu qu'un seul Napoléon, et c'était le mien. Bon, très bien. Écoutez, moi, messieurs, je vais vous laisser, je vais rejoindre ma couche. Eh bien, faites donc. Et puis, c'est à l'être agréable. Oui, tout à fait. D'ailleurs, mon cher Sinclair, il faudra que nous discutions, savoir si vous me connaissez quelconque gourgandine haut de gamme pour satisfaire certaines de mes envies. Bien sûr, j'ai au choix Bernadette, Violette ou Gertrude à l'étage. Très bien. Ah oui, mais c'est fermé, je ne peux pas rentrer. Bon, mais écoutez, c'est la pas grave. La porte du balcon est ouverte. Gardez ça pour vous. Hein. Je vais vous laisser sur cette conversation, messieurs. Ça marche. D'accord. Vous êtes gêné ? Non, j'ai du travail. Vous voulez voir Gertrude ? Je sais jamais astiquer le manche non. Avec Gertrude. Au revoir, messieurs. Okay, bon. Attention à vos livraisons la prochaine Pantalon. Fois. Bon. Mais écoutez, bon, moi, puis... messieurs, je vais monter voir si Gertrude est disponible. Oui, faites donc. Et glissez-lui le billet... Entre les fesses, vous comptez sur moi. Elle adore ça. Bon, oui, très bien. Faites-lui une bise de ma part, hein. Je n'y manquerai pas, mon cher Jim. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. À demain. Portez-vous bien. Vous aussi, mon cher. Oui. 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 Bon, ben on va... On va s'arrêter là pour ce soir. C'est déjà presque 23h. Demain matin, je me lève de bonne heure. Ça va être chaud. Bon, écoutez, voilà. C'était une petite soirée vraiment sympa. C'était très cool. Écoutez. On donne rendez-vous demain pour la suite de l'enquête. On va aller visiter cette crypte, tout ça, là. C'est cool. Faut que je note, par contre. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Je souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis je vous dis tous rendez-vous demain soir pour la suite. À demain. Bisous.